très importante parce que je pense que l'histoire de chacun est différente, le cancer de chacun est différent. De pouvoir parler avec une femme, d'être émue, d'être encouragée, de démystifier qu'est-ce que c'était, j'ai vu l'intérêt de partager. C'est une célébration parce qu'on reprend notre vie. C'est de partir de la noirceur puis de mettre de la lumière devant nous. D'être là pour publiquement dire que je vais bien. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, sans trop tarder, donc, il est temps de commencer les présentations. Ça va être dans un contexte un peu plus convivial. Il n'y aura pas de période de questions, malgré qu'on ait Facebook Live. Donc, la soirée commence maintenant. Donc, je suis une patiente de 35 ans. J'ai deux enfants. Ma mère a eu le diagnostic de cancer du sein à l'âge de 40 ans. Comment puis-je savoir si je suis à risque et comment? J'invite Dr. El Afaf, généticien médical au CHUM, pour en parler de ça. Dr. El Afaf. Merci, bonjour à vous tous. C'est toujours impressionnant d'assister à cette rencontre et je remercie les organisateurs de nous avoir invités. Alors, j'ai comme 5 minutes pour vous parler des nouveautés en génétique médicale, où est-ce qu'on en est rendu et où est-ce qu'on s'en va. Bien entendu, je vais adopter ce plan de réalisation actuel, les principaux pôles de développement à venir et perspectives, et je terminerai par une petite diapositive classique pour dire c'est quoi les indications de test. Merci. Alors, il faut reconnaître que la génétique a fait un bond extraordinaire et elle a concrétisé des réalisations formidables qui se traduisent en 4 points principaux depuis que les tests sont devenus moins chers, plus disponibles. On a vu de plus en plus la possibilité d'élargir les indications de tests génétiques dans le domaine génétique général et en oncogénétique en particulier. Et ces élargissements des indications, on les voit essentiellement dans une vision d'élargir le spectre, de vision de spectre de tumeurs possibles dans les prédispositions héréditaires. Je parlerai tout à l'heure brièvement de ce que j'appellerais une prédisposition héréditaire au cancer et qu'est-ce qu'une susceptibilité, une susceptibilité familiale. Le bond formidable qui a été fait, c'est de passer à un système de testing gène par gène qui était onéreux, consommateur de temps, à une réalisation d'une approche multigène qui maintenant permet en un temps relativement court de faire une approche très large des risques de prédisposition et d'affiner le conseil et d'affiner la prise en charge des patients, tant au point de vue médical que chirurgical. Docteur Patoske va parler tout à l'heure des indications des mastectomies en fonction des différentes mutations observées dans les gènes. En fait, l'autre avancée, c'est la meilleure connaissance des risques des cancers liés aux différents syndromes de prédisposition. Comme vous le savez, il y a des prédispositions qui sont inscrites dans un cadre syndromique et des prédispositions qui s'accompagnent simplement par une présentation tumorale. Avant, on avait une réflexion ou une vision essentiellement par organe. Maintenant, elle est plus une vision élargie en regardant qu'est-ce qui se passe dans la famille? Donc, c'est plus un diagnostic familial qu'un diagnostic d'organe qu'on fait. Alors, des concepts de base qu'il faut rappeler, c'est que nous considérons qu'une prédisposition génétique est une prédisposition qui va lier les gènes réparateurs de l'ADN. Donc, de par leur fonction, le risque de développer des cancers est extrêmement élevé. C'est un risque transmissible d'une façon dominante et dont le risque de développer des cancers est élargi à différents organes. Alors que l'agrégation familiale de cancers, qui peut se présenter aussi sous forme d'une prédisposition,
mais qui est caractérisée par une négativité des tests cliniques génétiques de prédisposition. Et ici, on pense qu'il y a plutôt une susceptibilité dans un profil de configuration de gènes qui ne sont pas dans la réparation de l'ADN, mais plutôt dans le métabolisme, la détoxification. Donc, ce profil de gènes constitué pourrait être laisser donc une susceptibilité à des facteurs d'environnement d'agir, et la présentation pourrait être sous forme de cancer, comme on pourrait, comme le voir pour certaines familles, développer des diabètes, de l'hypertension ou l'obésité. Enfin, il faut dissocier de ces deux syndromes la phénocopie, c'est-à-dire une personne aussi qui présenterait un cancer, mais qui ressemble à une prédisposition, mais en réalité ne reconnaît pas les caractéristiques déjà citées. Alors, en matière de risque, le docteur Bomery m'a demandé de parler du risque lié aux gènes. Donc, juste vous rappeler qu'on teste un ensemble de gènes pour lesquels nous avons un risque plus ou moins élevé et un spectre plus ou moins large. Donc, nous avons dans un grand cercle ici plusieurs gènes que nous regardons dans l'investigation génétique, et ça nous va nous permettre de classer le risque pour tel organe et tel organe de développer des cancers, et donc apporter les recommandations. La plupart de ces gènes encadrés pourraient avoir, dans certaines formes, des indications à faire des mastectomies préventives, mais pas dans tous les cas. Dans certaines particularités de certains gènes, quand ils se présentent, par exemple, sur des mutations sur les deux allèles du gène. Alors, où est-ce qu'on va? Donc, quels sont les pôles de développement? Est-ce qu'on va forcer pour trouver de nouveaux gènes? On a comme l'impression qu'on a atteint un plateau et que le défi actuel, c'est de consolider nos connaissances sur ce que nous avons comme gènes déjà identifiés, quels sont les risques associés. Il est possible aussi qu'il y ait une génomique plus complexe. Et dans le cadre de susceptibilité familiale, donc comme je j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette génomique complexe commence à être impactée en clinique, et on commence à voir certains groupes de recherche la pratiquer, comme celui le groupe de Québec dont fait partie le docteur Simard, où on va essayer de trouver des particularités d'écriture dans certains gènes, mais ce serait comme plusieurs gènes, une centaine, 200 gènes, qui seraient configurés d'une façon particulière et qui permettraient de définir un risque. Et ce risque était un risque de susceptibilité, mais pas un risque de prédisposition. Alors, vous avez certainement entendu parler qu'on pourrait aussi faire des tests génétiques sur du tissu tumoral, sur la tumeur. Et donc, l'objectif de cette analyse est de donner un peu la carte d'identité de la tumeur. Donc, ça va aider à classifier les tumeurs, et aussi à étudier de comment ça se passe au niveau biochimique, dans le langage que les gènes et les protéines entretiennent entre eux pour permettre de développer des thérapeutiques ciblées. C'est sûr que ces tests au niveau tissulaire tumoral ne vont pas aider à choisir une chirurgie, mais plutôt un médicament dans le futur. Et nous voyons apparaître déjà des médicaments comme les inhibiteurs PARP indiqués dans les cancers de l'ovaire et des certaines formes de tumeurs du sein. Les tests qu'on fait sur le sang, les tissus, la peau, par exemple, sont des tests à visée germinale, à voir s'il y a une mutation qui est héritée de parents vers les enfants. Alors, qui investiguer? Globalement, je regarde si dans une famille, il y a déjà une mutation, les apparentés proches ont un risque de 50% s'ils sont au premier degré, ou de 25% s'ils sont au deuxième degré, d'avoir cette mutation. Donc, s'il y a une mutation déjà identifiée. Ensuite, il y a une histoire personnelle. Tout cancer du sein, avant 50 ans, on avait décidé de faire des investigations génétiques. Pour plusieurs raisons, parce que ça peut rencontrer aussi des cas particuliers de manque d'information, d'adoption, et donc qui pourraient nuire à l'interprétation de cette histoire familiale. Mais un cancer du sein triple négatif, un cancer du sein sur les deux seins avant 60 ans, un cancer unilatéral multifocal avant 60 ans, plusieurs cancers associés chez un même patient
qui, en excluant les métastases, serait une indication à faire des tests génétiques. Un cancer de l'ovaire, quel que soit l'âge et quelle que soit l'histoire familiale, qui serait inscrit dans une histoire, dans l'histoire de la famille. Le cancer du sein chez l'homme, on sait que le cancer du sein chez l'homme est rare, mais du fait de sa rareté, nous suggérons de faire des investigations génétiques au bénéfice du reste de la famille. L'histoire familiale va venir contribuer à rajouter des éléments de décision pour le testing génétique. Donc, c'est un survol un peu sommaire de ce que nous avons acquis à l'heure actuelle. Donc, c'est une avancée extraordinaire en matière d'investigation génétique. On est encore loin d'arriver à une médecine très spécialisée, personnalisée, mais on va y arriver. Je vous remercie. Merci, Dr. Larrave. Donc, j'ai 35 ans, j'ai un cancer du sein droit. Ma chirurgienne oncologue a recommandé une mastectomie totale de mon sein droit atteint. Je n'ai pas d'histoire familiale, mes tests génétiques sont négatifs. Je suis très inquiète et j'en ai parlé à mon chirurgien oncologue et je veux enlever mon sein gauche normal parce que j'ai peur d'avoir un autre cancer dans le futur. Docteur Patuski va nous en parler de tout ça. Docteur Patuski, chef de service de chirurgie oncologique. Bon, merci, ça me fait très plaisir d'être ici. Je vais mettre le timer, Joseph, comme ça je suis certaine de ne pas dépasser, OK? Je l'ai mis. OK, parfait. Donc, je vais parler de mastectomie bilatérale préventive et contralatérale. Puis, ça prend la participation de la foule parce que je vais poser des questions pour trois cas. Lesquelles des stratégies suivantes choisiriez-vous pour les femmes? Recommander une mastectomie prophylactique ou ne pas recommander une mastectomie prophylactique? Fait que cas numéro 1, c'est Cindy, à 40 ans, sans antécédent. Elle est porteuse d'une mutation BRCA1. Puis elle vient nous voir, puis elle veut une mastectomie bilatérale prophylactique au lieu de suivi radiologique. Qui sera en accord pour lui accorder la chirurgie? Qui ne serait pas en accord? Puis on dit que c'est juste un suivi avec l'hormono. OK. Numéro 2, Sarah, elle a 60 ans, elle a un diagnostic de cancer du sein gauche, multicentrique. Malheureusement, elle a besoin d'une mastectomie complète. Elle a une tante avec une histoire de cancer à 75 ans, pas d'autres antécédents. Elle vient nous voir puis elle dit, s'il vous plaît, enlevez l'autre sein, ça m'inquiète beaucoup. Qui serait en faveur de lui faire une mastectomie prophylactique contralatérale? Pas grand monde. C'est déjà vendu. Deux personnes. Qui sera en désaccord parce qu'on trouve que peut-être une grosse opération ou on est indécise, on ne sait pas. Indécise peut-être? OK, indécise. Cas numéro 3, donc Manon, elle a 45 ans, diagnostic de cancer du sein de 3 cm, histoire familiale chez sa mère à 48 ans, sa sœur à 42. Elle est BRCA1 et 2 négative, mais on n'a pas tout fait le panel, fait qu'on ne sait pas le reste. Elle a des seins très denses, à multiples biopsies, on l'appelle souvent en radiologie, puis elle est inquiète. Puis là, on doit enlever un sein, puis elle veut faire enlever l'autre sein. Qui sera en accord de lui dire, OK, on va faire la mastectomie? Qui dirait non? Parce que c'est une personne. Puis qui serait indécise? On ne sait pas. C'est ambivalent. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on doit faire. OK. C'est bon. Fait que je vais vous dire qu'est-ce que moi je ferais à la toute fin. Peut-être que vous allez changer d'idée aussi. Donc, la décision de subir une mastectomie prophylactique est une décision extrêmement personnelle et influencée par divers facteurs. Donc, le risque vraiment de développer un cancer du sein, l'anxiété suscitée par le dépistage et les procédures diagnostiques, dont toutes les biopsies, les IRM, les suivis, et les conséquences. Je regarde les radiologistes en disant ça. Désolée. Et les conséquences physiques, émotionnelles et esthétiques attendues par la chirurgie. Fait que ça, c'est un petit tableau pour estimer le risque de développer un cancer du sein dans le futur. Je sais pas si j'ai un pointeur. Est-ce que j'ai un pointeur? Oui? Au milieu. OK, parfait. Fait qu'on a parlé de BRCA 1 et 2, puis on sait que le risque à 70 ans, c'est quand même assez élevé. Il y a d'autres mutations génétiques, incluant PALB2, CHEK2, on vient juste d'en parler, où le risque est plus faible. Et par la suite, on a beaucoup de facteurs histologiques avec les hyperplasies atypiques. Hein? On a des diagnostics de surtout hyperplasie lobulaire atypique et carcinome lobulaire in situ, qui n'est pas un cancer. C'est appelé un cancer lobulaire, mais finalement, c'est pas un cancer, c'est un facteur de risque de développer un cancer. Fait qu'on voit qu'à 10 ans, le risque est quand même assez élevé. Souvent, pour ces patientes-là, on les voit en clinique puis on propose l'hormonothérapie de prévention.
au lieu d'une mastectomie prophylactique pour ces patientes. Aussi, la radiothérapie, souvent pour le lymphome au niveau de la poitrine en bas âge et une histoire de cancer du sein dans le passé. Aussi, la densité mammaire, je ne sais pas si Mona va en parler, mais c'est important la densité mammaire comme facteur de risque. On voit que dans une méta-analyse de plus de 14 000 cas, les femmes avec une densité mammaire de plus de 75 % ont 4,6 fois le risque de développer un cancer du sein. Si on a une femme de 40 ans avec une densité mammaire de plus de 75 %, elle peut avoir un risque à vie de 25 à 30 % comparativement à une femme en bas de 75 % qui a un risque de moins de 20 %. Ça fait que ça joue un rôle quand même de densité au niveau du sein. Bon, les pathoses de mutation, en général, on dit oui. Surtout les BRCA1 et 2, les patientes viennent nous voir puis préfèrent la mastectomie bilatérale la plupart du temps avec reconstruction, mais pas tout le temps. Puis, on sait qu'avec la mastectomie prophylactique, on réduit le risque futur de développer un cancer du sein de 90 %. Puis, si on ajoute l'ovarectomie, on diminue encore plus à 95 %. Mais c'est jamais 100 %. Là, je vais parler de la mastectomie contralatérale. Fait que donc, le patient a un cancer un côté, puis l'autre côté, elle a rien, en tout cas rien de prouvé malin, puis elle souhaite faire une mastectomie contralatérale. Puis on sait que la proportion de patients qui demandent cette chirurgie augmente de beaucoup les 20 dernières années. Mais qu'est-ce qui est intéressant, que c'est uniquement en Amérique du Nord, pas en Europe et pas ailleurs. C'est vraiment ici, au Canada et surtout aux États-Unis, où on fait beaucoup de mastectomie contralatérale. Et souvent, c'est des femmes plus jeunes, puis c'est compréhensif aussi, avec des enfants. Souvent, ils ont déjà passé des tests génétiques, même si les tests sont négatifs. Ils ont des antécédents familiaux. Souvent, ils vont passer des résonances magnétiques. Puis à la résonance, on voit des choses indéterminées. On rappelle la patiente pour l'écho. Elle est inquiète. Ça reste toujours en tête qu'elle a quelque chose de l'autre côté, même si finalement, c'est rien. Mais on sait dans les études, ça augmente le risque de vouloir une mastectomie contralatérale. Aussi, c'est bien évident que les femmes qui ont témoin d'un cancer du sein dans la famille avec un impact majeur, ça affecte la décision. Fait que souvent, c'est les patientes qui nous demandent la mastectomie contralatérale. Fait que nous, on parle du sein avec le cancer, puis la patiente, elle nous dit, écoutez, je suis jeune, peut-être qu'il y a personne dans ma famille, puis là, ça m'est arrivé, puis je me sens pas à l'aise de garder l'autre sein. Et souvent aussi, les médias sociaux jouent un rôle. Fait que parlent à leurs amis ou ils vont dans des forums de chat où le monde leur dit peut-être que ce serait une bonne option d'enlever l'autre sein. Et souvent, les patientes nous disent, pour vous, il n'y a pas beaucoup d'importance, mais au niveau de ma vie, pour diminuer mon anxiété par rapport à un cancer du sein opposé, ça change beaucoup ma vie. Pourquoi vous ne voulez pas faire la mastectomie? Fait que nous, comme chirurgiens, d'un côté, nous réduisons via la chirurgie l'anxiété provoquée par un cancer contralatéral possible, mais d'un autre côté, nous réduisons d'une façon artificielle l'anxiété sans que cela ne change le prognostic de la patiente. Et pourquoi c'est le cas? Parce que pour une femme à risque moyen, le risque de développer un cancer du sein dans le sein contralatéral, c'est 0,1 à 0,6 % par année. Donc, c'est en 10 ans, c'est de 1 à 6 % C'est que c'est très faible le risque de développer un cancer du sein, si, bien sûr, à risque moyen. Je ne parle pas des gens avec mutation, une grosse histoire familiale, des seins très denses, multiples biopsies. C'est pour ça qu'il faut personnaliser les décisions. Fait que ici, on voit que dans un groupe de 14 000 femmes, la mastectomie prophylactique contralatérale présentait aucun avantage de survie, même chez les femmes de moins de 45 ans. Et ça, c'est parce que le risque de décès, malheureusement, d'un premier cancer du sein est plus élevé que celui d'un deuxième cancer contralatéral potentiel. Fait que dans le fond, il y a un faible risque de faire un autre cancer, puis il faut l'attraper tardivement, puis avoir un décès du deuxième cancer, c'est extrêmement rare. Donc, pourquoi pas le faire? Ça peut avoir une manière, affecter d'une manière néfaste l'image corporelle. On peut avoir des complications post-opératoires, surtout des choses plus long terme qui sont plus inquiétantes, comme la douleur chronique. Et des interventions chirurgicales plus longues et complexes peuvent retarder le début de la chimiothérapie. C'est pour ça, ici au CHUM, on essaie de toujours donner la chimiothérapie avant la chirurgie. Comme ça, on n'a pas ce problématique-là d'avoir peut-être un petit problème de guérison de plaie et retarder la chimiothérapie par la suite. Surtout pour les femmes avec des sous-types agressifs. Donc, les lignes directrices, il y en a plusieurs. Je vais juste nommer American Society of Breast Surgeons. Ils disent que la mastectomie contralatérale doit être réservée aux femmes présentant un risque élevé de cancer du sein
celles avec une mutation BRCA1 ou 2, donc vraiment les femmes qui ont à peu près 25 % à vie ou plus de développer un cancer contralatéral. Et ça existe, ces femmes-là. Puis on les voit en clinique. Ils ont une grosse histoire familiale, même si la mutation est négative en clinique. Ils ont tellement une grosse histoire familiale qu'on sait quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et c'est une demande qu'ils font, qui est persistante. On les voit en clinique, puis on sent la tête, puis on trouve des fois c'est très raisonnable. Sinon, c'est un dépistage radiologique et l'hormonothérapie, parce qu'on sait que quand un cancer, on vous traite avec la chimio, ça diminue le risque de cancer dans l'autre sein, puis on vous traite avec l'hormonothérapie qui diminue le risque de cancer dans l'autre sein. Fait que déjà, juste avec les traitements du cancer, on est en train de traiter le sein contralatéral. Donc, le rôle du chirurgien est d'aider à fournir à la patiente la meilleure estimation du risque de cancer du sein. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un choix vraiment personnalisé, basé sur plusieurs facteurs, puis on est là pour épauler les patientes dans leur prise de décision. Fait que si on revient à notre patiente, moi, je vais... Oh, parce que c'est l'ancienne... Si on revient aux trois, parce que j'avais changé, c'est pas la dernière présentation, mais c'est pas grave. Fait que Cindy, moi, je vais vous dire qu'est-ce que je pense. Cindy, la première, oui, je pense qu'on offrirait une mastectomie totale bilatérale. Sarah, à 60 ans, je lui dirais, sans histoire familiale, avec sans histoire de sein très dense, je dirais qu'on ferait la mastectomie vraiment unilatérale. Et Manon, je serais en accord avec la mastectomie bilatérale. Je trouve que niveau d'inquiétude très élevée, elle peut avoir du radiology fatigue, elle va revenir souvent pour des biopsies avec ses seins denses. Je pense que c'est quelque chose de raisonnable. D'habitude, je finis avec une photo de mes trois enfants, mais là, j'ai sorti mon fils de la photo, puis là, c'est juste mes deux filles. Fait que j'ai une fille ici, puis la deuxième fille là, puis il allait un show de Billie Eilish. Je sais pas si c'est qui, là, mais à Laval. Fait que c'est moi qui les ai amenés à Billie Eilish. Puis chaque fois que je les vois, ces jeunes filles, puis sont rendues des jeunes dames, je pense toujours que j'espère dans le futur, il va y avoir assez d'avancées médicales, qu'on, je ne viendrai pas parler de mastectomie pour cancer, puis je ne viendrai pas parler de mastectomie, surtout pas en prophylaxie, puis ce serait vraiment une chose dans le passé. Merci. Je pense que votre timer, Dr. Patuski, ne fonctionne pas. Je suis jeune, je suis à risque, j'ai les tests génétiques positifs, je suis à risque de cancer du sein. Je ne veux pas de chirurgie pour l'instant, je suis trop jeune. Quel sera mon suivi en radiologie et qu'est-ce que je peux faire? J'invite Dr. Mena El-Khoury du service de radiologie mammaire du CHUM. Et je remercie Dr. Lalonde, aussi radiologiste mammaire, d'être ici dans la soirée. Dr. El-Khoury. Permettez-moi juste avant de commencer de dire que je suis très honorée de représenter mes collègues dont les noms ici, que peut-être vous tous, vous avez eu la chance de les rencontrer. Et deuxièmement, de vous remercier de cette invitation. Alors, OK, donc la place de la radiologie. Donc, en imagerie mammaire, on a... c'est où le pointeur? Ah, c'est ça. OK, c'est ça. Donc, vous voyez, la mammographie est le centre. Elle demeure en 2019, la pierre d'angle dans l'imagerie mammaire. Donc, avec la mammographie, on ajoute la tomosynthèse, l'échographie et l'IRM. Et je vais en parler par la suite. On voit que depuis qu'on a commencé le dépistage de cancer de sein par les mammographies analogiques, il y a eu quand même une avancée technique. On a passé par la mammographie numérique, actuellement la tomosynthèse, qui est, on va dire, la Cadillac de la mammographie. Pourquoi la mammographie encore en 2019? C'est parce que la mammographie a démontré par les études des patientes qui font partie d'un programme de dépistage, elle a montré une diminution de la mortalité du cancer de sein entre 20 et 40%. Pourquoi ceci? À cause que on peut détecter des microcalcifications qui sont le reflet de cellules atypiques ou précancéreuses avant qu'elles ne deviennent un cancer avéré. À ce moment-là, on va couper ce cercle qui va aboutir au développement d'un cancer invasif. Et même aussi de découvrir le petit cancer millimétrique qu'on ne pourra jamais détecter à l'examen clinique. Et ce, avant d'arriver à un cancer qui est quand même supracentimétrique palpable et même au stade de métastase. Donc, comme toute médaille a un revers, la mammographie, elle a des avantages, mais elle a aussi des limites.
Les limites sont essentiellement dues à la texture de du sein qui se reflète sur la mammographie. Un sein graisseux sera gris, un sein moins graisseux de plus en plus il devient blanc. Pourquoi ? Parce que le tissu fibreux et glandulaire paraît blanc à la mammographie alors que le tissu graisseux est gris. Et toutes les anomalies qui apparaissent à la mammographie sont blanches. Donc, avec l'augmentation de la densité de la glande, le sein apparaît à la mammographie blanc, ce qui veut dire que la sensibilité de cet examen pour découvrir les petits cancers qui apparaissent et qui sont blancs, comme ici, est moindre quand le sein est blanc. Alors que quand c'est gris, le petit point blanc, on va le découvrir plus tôt. Donc, à ceci, donc, c'est pour ça qu'on a essayé de pallier à ces limites de la mammographie en ajoutant d'autres modalités. Ainsi, la tomosynthèse. Par contre, ici, je ne sais pas si je peux. Je peux pas l'avancer. Hein. Alors, la tomosynthèse, c'est une sorte de mammographie, mais au lieu de regarder le sein sur une image, toute l'épaisseur sur une seule image, elle permet en fait de faire différents plans de coupe sur le sein, permettant ainsi de voir ressortir des anomalies de manière plus facile à les analyser. Comme cette masse-là, que si elle s'est développée dans un sein dense, elle pourrait avoir obscurci par la glande, mais en regardant à la tomosynthèse, on peut arrêter, puis voir que sur cette image-là, on peut la voir bien, on peut voir quelle est la forme, quels sont les contours. Donc, ça nous facilite la détection. Autre que la tomosynthèse, on a l'échographie. Voilà une dame qui a un sein très dense. Comme vous voyez, c'est très blanc. On voit que la technologue a mis deux billes métalliques, une pour indiquer le mamelon et une pour indiquer une anomalie palpable. Et vous voyez, s'il n'y avait pas la bille, on n'aurait pas vu qu'il y avait une masse ici. Puis si on ajoute l'échographie à ça, on voit que cette masse, elle mesure quand même 3,5 cm. Alors que dans un sein dense, elle aurait pu passer vraiment inaperçue si la technologue ne nous a pas dit « faites attention, il y a quelque chose ici qui se passe ». Alors l'IRM, pourquoi l'IRM, c'est la modalité qui est la plus sensible ? Parce qu'on injecte un produit de contraste. Ce produit de contraste, qui est le gadolinium, il va aller avec le sang, parce qu'il est injecté en intraveineux, colorer certaines zones qui sont plus vascularisées que la glande. Voilà un sein qui est dense, comme vous voyez. La dame, elle a une masse ici. À l'IRM, ici, on voit avant injection de gadolinium, on peut dire peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est plus compact que la glande parce qu'on voit moins de tissu graisseux. Mais avec injection de gadolinium, on voit que cette masse qui est là, qui est quand même plus que 4 cm, elle se colore, comme elle devient plus blanche et elle nous permet de la détecter par rapport à la glande qui ne s'est pas colorée. Donc ça, c'est très bien pour l'IRM parce qu'elle est plus sensible, donc comme on a dit, elle colore les choses, mais elle a aussi un revers parce qu'elle va colorer beaucoup de choses qui sont vascularisées mais qui ne sont pas en elles-mêmes ni précancéreuses ni cancéreuses. D'où le fait qu'on vous appelle souvent après une IRM, on appelle les patientes après une IRM pour regarder d'une autre façon en écho ou autre chose pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui nous indiquerait de faire une biopsie. Alors, pour le dépistage, donc pour les femmes à haut risque de cancer de sein, on les divise en deux grands groupes, si vous voulez. Celles qui ont une mutation prouvée, que ce soit BRCA ou autre, on débute le dépistage à 25 ans par une IRM qu'on répète chaque année. Puis à partir de 30 ans, on ajoute la mammographie. Pour les patientes qui ont un risque calculé de cancer de sein qui est supérieur à 20%, le dépistage est débuté à 30 ans par une mammographie à laquelle on peut ajouter, selon les autres facteurs de risque, ou si on peut, une IRM à 30 ans. Si l'IRM n'est pas disponible ou elle ne peut pas être appliquée chez la femme, on recommande une échographie parce que chez les femmes jeunes, les seins sont denses et la mammographie, elle est limitée. Alors, pour les femmes qui ont des antécédents de cancer de sein, s'il n'y a pas autre facteur de risque associé à la survenue du cancer de sein, si ce cancer a eu lieu avant 50 ans, ces dames ont un facteur de risque plus élevé de développer un autre cancer dans leur vie. C'est pour ça que la mammographie annuelle
et à coupler à l'IRM annuel chez ces dames-là. Par contre, si le cancer survient après 50 ans, le risque est plus faible de développer un autre cancer. On fait un suivi mammographique annuel auquel on pourrait ajouter l'IRM ou l'écho si les seins sont denses pour optimiser la sensibilité mammographique. Pour les patientes qui ont une mutation génique, toujours on couple mammographie et IRM de manière annuelle pour augmenter la sensibilité de la mammographie. Voilà, merci. J'invite Dr. Daniela Dambrava pour son témoignage. Vous avez 5 minutes. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Et merci les organisateurs pour m'avoir invité. Comme vous avez attendu, je suis médecin à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, donc je travaille plus avec la clientèle psychiatrique. Je suis mariée, je suis mère de 2 garçons de 15 et 25 ans qui sont très bien réalisés. Donc, belle carrière, belle famille, trop beau pour qu'il soit vrai. Donc, à l'âge de 47 ans, j'ai été diagnostiquée avec le cancer de sein. Première dans la famille, proche et éloignée. Pourquoi moi? Est-ce que je vais vivre? Pourquoi moi qui je soigne mes patients, moi qui je pleure et qui je ris avec chacun d'entre eux? Je me suis répondu moi-même à la question parce que je fais partie de la statistique. Donc, parce que je suis une des 8 femmes qui sont diagnostiquées avec le cancer du sein. Est-ce que je vais vivre? C'est quoi les options de traitement? Donc, même si je suis médecin, donc je travaille pas avec une clientèle, avec des femmes à risque pour le cancer du sein, donc je n'étais pas vraiment à jour avec toutes les options de traitement. En plus, j'avais tellement peur de lire moi-même sur l'Internet, donc je me suis dit, je vais attendre voir le chirurgien. Donc, une semaine après le diagnostic, j'ai rencontré le chirurgien dans un établissement universitaire à Montréal. Et j'étais rassurée, il m'a dit le cancer n'est pas si avancé, donc je vais vivre. Mais les options de traitement étaient assez invasives. Donc, mastectomie totale avec possibilité de ne pas avoir une radiothérapie, de ne pas avoir une chimiothérapie, l'option la plus sécuritaire point de vue écologique. Une autre option, c'était une chimiothérapie pour diminuer la grandeur de la tumeur, ensuite une mastectomie partielle suivie d'une radiothérapie. Comme j'avais peur vraiment de la chimiothérapie, donc et à cause de la sécurité oncologique, j'étais facile de décider que je veux une mastectomie totale. Mais après ça, la reconstruction, c'est moi-même qui je demande au médecin la reconstruction. Je me suis fait répondre que la reconstruction en général, ça se fait dans 3 mois par des méthodes de greffe ou de prothèse. J'étais sur le choc, donc je pouvais pas penser, donc j'ai décidé de y aller en chirurgie et je me suis mis sur la liste opératoire. Le médecin m'a mis sur la liste opératoire dans 1 semaine. Les idées tournaient dans ma tête, donc j'étais plus capable à organiser mes pensées. Le chirurgien sort du bureau, c'est l'infirmière qui reste pour nous donner des informations. Et c'est mon mari qui était avec moi qui demande à l'infirmière, c'est quoi une mastectomie totale? Donc, on a bien compris que une mastectomie totale, c'est l'ablation de la glande mammaire ou c'est le cancer, mais la peau, le mamelon, l'aréole, l'infirmière, ils nous répondent toutes secs, ils vont tout être enlevés. Donc, j'ai fait les yeux grands. Pour moi, une mastectomie totale, c'était enlever la glande mammaire, 3 mois après, mettre un implant et tout, ça va être beau, une petite cicatrice, une cicatrice sur mon sein. Mais quand j'ai attendu ça, la situation devient plus complexe. Les idées tournent. Est-ce que c'est sur la maladie, sur la vie de tous les jours, sur l'image de mon corps? Donc, je me suis décidée moi-même de chercher des options sur Internet. Donc, comme dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible que dans le 21e siècle, qu'il n'existe pas d'autres options. Je pensais à Angelina Jolie. Donc, je suis sûre dans ma tête, je me suis dit, je suis sûre qu'elle n'a pas resté avec une poitrine plate pour 3 mois. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet. Et voici, qu'est-ce que j'ai trouvé? La première expression de recherche qui donnait, c'est préservation de mamelon. Et voici qu'est-ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé vraiment les images vidéo de journée bradée de 2016 en octobre. Et j'ai vu
J'ai écouté la conférence de Dr. Patosky sur la mastectomie préventive. J'ai lu sur Internet toujours l'article dans Radio-Canada sur une journée dans la salle d'opération avec cette merveilleuse équipe. J'ai trouvé des témoignages, des patients, des médecins. Et je me suis tellement retrouvée là-dedans. Donc, j'avais l'impression qu'ils parlent pour moi. Donc, j'ai pris le risque d'annuler la chirurgie et de demander une deuxième opinion au CHUM. Et j'ai été prise en charge par cette équipe extraordinaire que vous l'avez vue tout à l'heure dans la photo. Et je peux vous dire à voix vraiment haute que j'ai passé à travers autrement, vraiment comme Dr. Patosky disait ici. Donc, c'est complètement différent. Et donc, pour finir, j'aimerais juste... OK, pour moi, c'était... J'ai décidé, parce que je suis une femme qui cherche beaucoup des choses. En général, je n'accepte pas. Donc, je me suis dit, je vais chercher, j'ai trouvé les informations et je l'ai eu. Mais pensez-y aux autres femmes qui ne pensent pas, qui n'ont pas ce réflexe, qui se trouvent après leur chirurgie, qui auraient pu se faire autrement. Donc, moi, j'aimerais juste... vous laissez un message clé de la part d'un médecin-patient. Les patients, ils ont toujours leur dernier mot à choisir un traitement. Mais ils ne peuvent pas choisir un traitement qu'ils ne connaissent pas. Donc, et voici ici... Oh, pardon. Voici ici vraiment une photo de ma famille. Une semaine après la chirurgie, à Vancouver, pour le réveillon de jour de l'an, j'avais encore un tube. On ne le voit pas dans la photo, mais j'avais encore un tube de drain. Merci, docteur, pour ce beau témoignage. Mon chirurgien oncologue m'a avisé que je dois subir une mastectomie double pour un cancer aux deux seins. J'ai rencontré le chirurgien plasticien aussi dans la même journée. Mais j'hésite si je dois faire la reconstruction en même temps ou non. J'en ai écouté dans les nouvelles sur les implants mammaires et les options de reconstruction et non-reconstruction et j'hésite vraiment beaucoup. J'invite Dr. Rami Younan, chirurgien oncologue au CHUM, pour nous parler de la mastectomie totale, la non-reconstruction ou la reconstruction. Merci, Joseph. Alors, merci pour les organisateurs pour l'opportunité de présenter. Le sujet peut sembler plate, mais ce ne sera pas plate. À la demande des organisateurs, juste vous rappeler, quand est-ce qu'on fait une mastectomie totale? Et ça, c'est pour grand public et pour le côté scientifique, c'est entre parenthèses. Donc, en prévention, comme a dit ma collègue de Tapatoskai, quand il y a plusieurs foyers de cancer dans le même sein, on va vous proposer de faire une mastectomie totale. Quand la tumeur est trop grande puis qu'on ne peut pas avoir un résultat esthétique qui est acceptable, on va faire une mastectomie totale. Et quand la condition de la patiente, elle nous empêche de donner de la radiothérapie après l'opération, on va vous recommander une mastectomie totale. La dernière option qui est toujours valable, c'est quand la patiente, elle désire une mastectomie totale et quand c'est justifié et qu'on va la rencontrer à plusieurs reprises, on va acquiescer à la demande. Alors, tout le monde parle d'Angelina Jolie. Chaque chose est propulsée en avant par une actrice, une vedette. Moi, je ne suis pas une vedette, mais la vedette, elle est là. Et donc, depuis Angelina Jolie, toutes les patientes, la majorité en tout cas, qu'on voit dans notre pratique, veulent avoir la reconstruction immédiate parce que ça a été propulsé par une vedette connue par tout le monde. Alors, les prémices de la reconstruction totale de la mastectomie avec reconstruction, je vous les rappelle. Avant 98, aux États-Unis, je m'excuse pour les anglicismes, mais ça vient quand même de l'histoire. Avant 98, les patientes aux États-Unis n'avaient pas le choix d'avoir une reconstruction immédiate. Beaucoup de groupes de support sont nés, et en 98, il y a eu un acte aux États-Unis fédéral pour faire rembourser la reconstruction immédiate. Et depuis, c'est une standard of care ou un standard de pratique où il y a plus que 100 000 procédures aux États-Unis de reconstruction immédiate. Le taux atteint maintenant, le Taboumeri peut nous le confirmer, jusqu'à 60 à 80 % dans certains États aux États-Unis. Et on voit dans tous les pays du monde, il y a une recrudescence et on voit la courbe pour la reconstruction totale avec reconstruction immédiate qui augmente. Par contre, on savait aussi que, d'un point de vue clinique, il y a des études à l'appui qui nous disent que quand on fait une reconstruction immédiate, le devenir est meilleur, la satisfaction est très bonne, et au niveau psychosocial, nos patientes sont très satisfaites.
Par contre, il y a quand même une science pour accepter ou pour faire valoir la mastectomie totale sans reconstruction, ou bien avec reconstruction plate, ou bien going flat. Puis je vous dirai c'est quoi. Donc, une grande étude de 2009 nous dit qu'il y a quand même beaucoup de satisfaction chez beaucoup de patientes au niveau de l'image corporelle, au niveau du outcome sexuel et au niveau de beaucoup d'autres outcomes pour ne pas faire de reconstruction immédiate. Alors là, ça va être le tabloïd. C'est la non-science, mais quand même, c'est le mouvement qui est en développement depuis au moins 3 ans. Ça vient du New York Times depuis 2016. C'est des patientes qui ont voulu montrer qu'avoir une mastectomie totale, ça pouvait être valable avec de très bons résultats au niveau psychologique, puis au niveau du bien-être aussi. Donc, le mouvement s'appelle maintenant « Going Flat ». Fait que si vous allez sur Facebook, vous allez trouver le mouvement avec un mouvement qui est vraiment crescendo. Ça, c'est pour vous montrer qu'une mastectomie totale, en plus que la patiente se sent très bien avec la mastectomie sans reconstruction, on voit aussi qu'il y a des façons d'embellir sans avoir une reconstruction immédiate. On voit d'autres patientes, encore une fois, avec des tatouages. Je ne veux choquer personne, mais je veux juste vous montrer la réalité de ce qui peut arriver, de ce qui peut se faire aussi. Ça, c'est un résultat parfait au niveau de la mastectomie totale par le chirurgien oncologue, où on ne laisse pas de surplus de peau et où les cicatrices sont belles. J'ai sorti des témoignages de plusieurs patientes et je peux vous dire qu'il y a une certaine, dans notre pratique, on remarque que certaines patientes ont une certaine résistance pour la reconstruction immédiate. Et il y en a qui ont voulu de skipper cette étape-là, puis ils se sont appelés « going flat ». Une autre patiente ici qui dit que les seins ne font pas de nous une meilleure femme ou plus une femme. On voit ici la reconstruction. Il n'y a pas de reconstruction, mais les cicatrices sont très belles encore une fois. Une autre patiente qui n'a pas fait de tatouage non plus, qui s'est mise dans la photo du New York Times en 2016, on voit encore une fois sur Oprah, j'ai voulu juste mettre le tabloïd, mais quand même vous parler de science, parce que si vous regardez ici, c'est un résultat qui est très beau avec les tatouages, mais par contre, si on regarde la cicatrice, on peut avoir de ces sortes de complications-là, où on a une cicatrice qui est hypertrophique, qui n'est pas le résultat idéal. Alors, les complications peuvent arriver avec une reconstruction ou même sans reconstruction. Et si on va à 2018 dans le New York Times, moi, je vais simplement résumer en vous disant que ce qui vous met à l'aise, c'est la traduction de ce que cette dame-là vient de dire, et non qui met les autres à l'aise, reconstruction ou pas de reconstruction. D'autres patientes, ça s'est rapproché encore une fois du Canada, c'est à partir des États-Unis de New York. Et si on regarde, il y a même de la poésie qui s'en est mêlée. Puis vous pouvez traduire pour vous-même, moi je vous traduirai seulement la première, où la dame qui a une mastectomie sans reconstruction qui dit que nos cœurs sont plus proches lorsqu'on se rapproche, en parlant de son conjoint. Alors, on voit ici, j'ai voulu faire le parallèle avec les Français, nos cousins. Ils semblent être en retard là-dessus, avec tous mes respects. Et on parle encore en France de uniquement mutilation, amputation, voleur de féminité lorsqu'on fait une mastectomie sans reconstruction. Les chirurgiens pensent encore que c'est le standard de pratique, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que même en France, ils commencent à avoir des patientes, comme cette jeune dame-là, qui veulent avoir la mastectomie totale sans la reconstruction immédiate. J'ai 2 témoignages que j'ai ici pour vous faire réfléchir. J'ai refusé la chirurgie reconstructrice après une double mastectomie. Me faire reconstruire, pour moi, c'était comme avoir honte de ma maladie en cachant mes stigmates sous une prothèse. J'assume mon nouveau corps qui est le reflet de cette épreuve que j'ai réussi à surmonter. C'est mon trophée. Une femme sans poitrine reste une femme. On ne devrait jamais nous réduire à nos seins. Corinne, elle, tient à transmettre ce message positif. Il faut faire absolument comprendre aux femmes que malgré l'accident de parcours, elles peuvent rester sexy et désirables avec ou sans seins. Le mouvement s'est rapproché du Québec. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour appeler être plate. Il faut trouver une façon de l'appeler, mais aux États-Unis, en anglais, c'est going flat. Donc, le mouvement est en recrudescence au Québec aussi. On voit à la presse, où Joseph était commentateur. On voit ici, dans Clin d'œil, même chose aussi. On voit ici que, sur le site de la Fondation canadienne du cancer, garder son sein plat est une option. Ce n'est pas encore le cas sur le site de la Fondation du cancer du sein du Québec, mais je pense que ça devrait l'être. Mastectomie totale sans reconstruction devrait être dans les choix aussi. Et simplement pour mettre du piquant, il y a maintenant un international. Il y avait du Bra Day, du Bravoure Day, il y a du Flat Day,
qui a eu lieu hier le 7 octobre pour deux raisons. Je peux vous dire qu'il y a une compétition qui semble être saine entre les deux groupes de patientes qui veulent une reconstruction et celles qui veulent pas. Le 7 octobre a été choisi comme date parce que, un, ça devançait le Journée Bravoure et le Bra Day. Puis deuxièmement, parce que ça représente la déesse Maat, qui semble représenter le groupe de patientes qui ne veulent pas de reconstruction, avec les sept piliers, vérité, justice, harmonie, équilibre, ordre, réciprocité et propriété. Donc, on veut avoir de beaux résultats, mais on ne veut pas avoir des résultats comme ça. Par contre, c'est des résultats qui peuvent arriver. On veut avoir des beaux résultats, mais on ne veut pas avoir des résultats comme ça. Et on ne peut pas promettre à nos patientes, malgré tout le talent qu'on peut avoir, ou toute la bonne volonté, puis Dr Boumery pourrait vous le confirmer, une patiente qui a un surplus de poids, quand bien même on essaie de faire le meilleur résultat esthétique, on va se retrouver avec des surplus de peau. Si ce n'est pas en avant, ça va être sur les côtés. Alors, je termine sur une pensée philosophique pour simplement vous dire, vous pouvez lire le début du texte, c'est moi qui l'ai fait, c'est que le consentement libre, le consentement éclairé, comme tout le monde l'a dit ce soir, dans l'objectivité, notre devoir, c'est de respecter votre choix. Alors là-dessus, je termine. Puis, je voulais quand même vous dire un petit mot, même si on est très humble au CHUM, la dissection axillaire dirigée, un seul mot là-dessus. On a été les premiers à le faire comme technique pour éviter l'évitement axillaire au CHUM. Dès que l'article est sorti dans le New England, à partir de MD Anderson, c'est pour vous dire qu'on est toujours à l'affût des nouveautés pour vous, pour nous et pour la société. Merci. Merci, Dr. Yunan. Ça résume un peu la non-reconstruction. Moi, je voulais changer le titre de ma présentation, « Go big, pas go flat ». Fait que... Oh. Carmen, tu peux regarder le timer. Donc, moi, je vais parler de la reconstruction par implant. Et par la suite, je vais introduire Dr. Gagnon pour la reconstruction par les tissus. Donc, c'est ça. Reconstruire, oui ou non, après une mastectomie. Reconstruire, oui ou non, après une mastectomie, il y a un groupe sur Facebook, j'ai dû répondre pour le choix éclairé et le consentement libre et éclairé, que le droit de choisir ou de refuser une chirurgie est un droit qui est acquis pour la personne et pour la patiente et qu'on respecte. Reconstruire ou pas, donc ça c'est des témoignages de patientes pendant le processus de traitement, une patiente qui est assez âgée, qui dit c'était une histoire triste, qui a trouvé un heureux dénouement. Cette reconstruction après un sinistre me procure une immense joie. J'ai le sentiment d'avoir retrouvé mon équilibre. Je suis complète. Ce n'est pas peu dire, et c'est si peu dire, merci. D'autres patientes qui disent que malgré l'expanseur, malgré l'inégalité, l'asymétrie, elle aime encore son sein, le sein normal pendouillant et l'autre sein super haut qui est l'expanseur. Donc oui, reconstruire ou pas reconstruire, c'est un choix libre et éclairé pour la patiente, mais on veut la photo à droite ou on veut la photo à gauche. Donc, reconstruction par implant, immédiatement dans la même chirurgie de mastectomie, ça s'applique surtout pour les patientes avec les tests génétiques positifs. C'est par prévention qu'on fait ces chirurgies-là immédiatement avec un implant. Dans certains cas, dans les cas de cancer, on sait qu'Angelina Jolie, dans le cas de mutation génétique, il faut faire cette chirurgie-là. On reconstruit immédiatement dans la même journée avec un implant. On met l'implant en partie en dessous du muscle, et en partie couvert par une matrice dermique. On a de plus en plus de ces patientes-là avec des seins asymétriques, tombants, un peu plus gros que la normale, qui sont mutations génétiques positives et qui veulent, ces patientes-là, garder leur mamelon et qui veulent éliminer le risque de cancer du sein. Donc, elles veulent une mastectomie. Donc, à la chirurgie, on dit aux patientes, on fait deux chirurgies, on veut au début remonter les seins, repositionner les mamelons, les mettre au bon niveau et par la suite faire la mastectomie préventive et la reconstruction. Et à un autre moment, quelques mois plus tard, on vide les seins et on reconstruit immédiatement avec des implants. Une patiente où elle est asymétrique, les seins sont plus gros, on facilite la chirurgie pour la chirurgie oncologique aussi. Si on réduit les seins un peu, la mastectomie va être un peu plus facile. Donc, on les remonte et par la suite, après avoir remonté les seins, on fait la mastectomie par l'incision dans le pli du sein et on reconstruit immédiatement avec des implants. Donc, pré-mastectomie, post-mastectomie et reconstruction. La patiente était comme ça, mutation génétique, puis elle est post-op avec reconstruction, mastectomie et reconstruction en même temps avec des implants. D'autres patientes, les seins tombants, mutations génétiques, veulent une mastectomie préventive, on repositionne les mamelons, on réduit, redrape le sein, et par la suite,
Les patientes veulent plus petits, on met les seins plus petits et par la suite, on fait une mastectomie, on met les implants directement. D'autres patientes aussi jeunes, mutations génétiques, on redrape les seins, on les met à la bonne place, on les réduit un peu et par la suite, on fait la mastectomie et on fait reconstruction par un implant. Parfois, des patientes, on n'en a pas besoin de faire un redrapage, les seins sont à la bonne place. Donc, directement, on fait la mastectomie préventive par une incision dans le pli du sein et on reconstruit avec un implant directement dans la même journée. D'autres patientes, ou ça peut être une incision autour du mamelon. D'autres patientes aussi plus jeunes qui veulent avoir un peu plus gros. Donc, on peut se permettre de faire la mastectomie et mettre un peu plus gros. Ça, c'est la reconstruction par un implant immédiatement. Ça s'applique pour les mutations génétiques. Dans des cas où c'est impossible de faire cette chirurgie-là, il faut qu'on fasse en deux étapes. Donc, dans le cas où on manque de la peau, où il y a un cancer invasif, on veut vraiment utiliser pour étirer la peau. C'est une reconstruction en deux étapes. Un, par un expanseur au début, la première chirurgie, dans la même journée de la mastectomie. On sait qu'au CHUM, la majorité des cas de cancer sont opérés immédiatement avec la plastie et la chirurgie oncologique dans la même journée. On est une équipe, on s'organise pour être là tout le temps, les deux ensemble. Donc, on met la même journée de la chirurgie, après la mastectomie, un expanseur qui est une prothèse dégonflée ou saline sous le muscle. Et à chaque semaine, après deux semaines ou trois semaines de la chirurgie, on commence à gonfler avec de l'eau salée physiologique. Une fois que la cavité ou le ballon a donné le résultat et a donné une bonne cavité au niveau du thorax, on remplace avec un implant en dessous du muscle. Parce que l'expanseur est toujours mis sous le muscle pour protéger mieux l'implant, on ne le met pas sous la peau au cas où on a des ennuis au niveau de la peau et on ne veut pas exposer notre implant. Donc, un exemple de patiente qui a eu mastectomie double, préventive à gauche, mais curative à droite. On n'a pas pu sauver le mamelon, donc on l'enlève. Elle avait des petits seins. Déjà, en enlevant le sein à droite, on manque de la peau. On met des expanseurs des deux côtés et par la suite, on change pour mettre des implants parfaitement bien. Par la suite, on fait le mamelon pour ressembler à l'autre côté et on tatoue l'aréole. Une autre patiente, mastectomie pour un cancer du sein à droite. On a pu garder le mamelon s'il n'y a pas de contre-indication oncologique. Et on met les expanseurs pour étirer la peau et par la suite, on met des implants. D'autres patientes avec des seins trop tombants et gros, c'est sûr que le problème, c'est l'excès de peau qui est ici. Cancer du sein à droite, chimiothérapie avant la chirurgie. On enlève l'excès de peau avec la technique de redrapage. On met les expanseurs parce qu'on veut redraper un peu la peau. Et par la suite, on met des implants, on fait les mamelons. D'autres patientes, on peut garder aussi la peau. On met les expanseurs. Voici la seringue qui est dans la peau, qu'on injecte à la clinique. Ça fait pas mal, d'une technique stérile à la clinique à chaque semaine. Et par la suite, on met les implants. D'autres patientes où un côté, il y a un cancer, l'autre côté est préventif, on met les expanseurs et par la suite, on met les implants. Parfois, on utilise les implants avec le muscle grand dorsal dans des indications bien particulières. Donc, avec le muscle du dos et la peau du dos, on met un implant. Avec le muscle du dos et la peau du dos, on met les implants aussi. Et à la fin, on veut égaliser les deux seins, reconstruire le mamelon, tatouer l'aréole et finir la job. Tous les gestes sont couverts par l'assurance maladie de A à Z et toutes les révisions sont couvertes par l'assurance maladie du Québec. La décision, est-ce qu'on veut la photo à droite, pas de reconstruction, ou la photo à gauche avec une reconstruction? Go flat or go big? Merci. J'ai décidé de me faire... Moi, j'aime dédramatiser un peu le contexte du cancer du sein. J'ai décidé de me faire reconstruire en même temps que la mastectomie. Mais à force d'entendre sur les implants et les complications avec les implants sur Internet, j'ai demandé à mon chirurgien que je ne veux pas d'implant. Si je me fais opérer pour une mastectomie totale, c'est quoi mes options sans utiliser les implants? J'invite Dr. Gagnon, notre microchirurgien du service, pour parler des reconstructions par les tissus propres à la patiente. Dr. Gagnon. Merci, Joseph. Merci à tous d'être là. C'est superbe de voir une grande salle remplie avec des gens super intéressés. Et merci de l'invitation à présenter. Alors, on peut classifier la reconstruction mammaire de différentes façons. Comme Joseph l'a mentionné, on peut classifier ça selon une reconstruction immédiate ou une reconstruction tardive. Immédiate, c'est ce qu'on fait le plus souvent maintenant au CHUM. Tardif, dans certains cas, on n'a pas le choix. On doit terminer les traitements oncologiques avant de procéder à la reconstruction. On peut aussi le classifier selon qu'elle soit prosthétique ou autogène, c'est-à-dire que prosthétique, c'est avec des implants, que ce soit un expanseur ou un implant définitif, et autogène, c'est avec les tissus de la patiente.
Et là, il y a une série d'acronymes, c'est des abréviations selon les vaisseaux qui vascularisent le lambeau qu'on utilise. Donc, le DIEP, c'est au niveau de l'abdomen, SGAP, IGAP, c'est au niveau du fessier, PAP, c'est au niveau de la cuisse postérieure, TUG, au niveau de la cuisse interne, LAP, au niveau de la région lombaire. Ce sont toutes des options qui sont utilisées pour la reconstruction mammaire. Donc, quels sont les avantages de la reconstruction autogène? Bien, d'abord, le résultat est nettement plus naturel, puisqu'on utilise la graisse de la patiente pour reconstruire un sein qui est fait en grande partie de graisse naturellement. Donc, la texture est très similaire au sein naturel. Et ça, c'est important dans les cas où on a une reconstruction qui est unilatérale. Parce que si on met un implant d'un côté et pas d'implant de l'autre, c'est très difficile d'avoir une symétrie de texture, de forme et... Donc, c'est l'avantage, le premier avantage qui me vient en tête. Ensuite, ça peut être sculpté selon les besoins. Donc, c'est custom-made, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'on vraiment, on peut mettre des sutures, on peut couper le lambeau pour faire une forme qui est très proche de celle de l'autre sein. Alors qu'un implant, on ouvre la boîte, on l'installe et c'est terminé, c'est comme ça. Ce sont des tissus vivants, donc qui sont résistants à l'infection, qui vont être capables d'être placés dans un territoire qui a reçu de la radiothérapie. À l'opposé d'une prothèse qui a des problèmes parfois quand on la place dans un territoire irradié. Alors, également, ça évite l'usage d'un corps étranger. Puis, on pensait que c'était sécuritaire, mais on découvre parfois, après 20 ans, des petits problèmes avec les implants, comme on a vu l'année dernière. Donc, avec les lambeaux, c'est les tissus de la personne, on n'a pas ces soucis-là. C'est définitif et c'est durable. Une fois que c'est reconstruit, que c'est pris en place, c'est le sein pour le reste de la vie de la patiente. À l'opposé d'une prothèse qui doit être changée après une quinzaine d'années parce qu'il y a un risque de rupture, de durcissement, etc. Il y a moins de réinterventions futures, donc, avec les lambeaux. Ça permet aussi une reconstruction en un temps s'il y a une excision de peau. Parfois, le cancer touche la peau, on doit enlever la peau. On doit mettre à ce moment-là un expanseur si on va avec les prothèses. Mais avec le lambeau, on amène de la peau, on peut faire une reconstruction en un temps parce qu'on reconstruit également la peau et le contenu du sein. Et finalement, il y a une amélioration du contour corporel qui est possible. Par exemple, lorsqu'on fait un DIEP et un petit bourrelet abdominal, souvent les patientes sont contentes de s'en débarrasser. Naturellement, il y a des inconvénients également. La durée opératoire est plus longue. C'est de la microchirurgie, c'est fait au microscope, c'est minutieux. L'hospitalisation est également plus longue. On parle de 4 à 5 jours pour un DIEP. Il y a la présence d'un site donneur au niveau de l'abdomen. Par exemple, on a une cicatrice supplémentaire, on a une morbidité qui est possible de cette région-là. Il peut y avoir de la nécrose, il peut y avoir des déhiscences de plaies, il peut y avoir des infections. Donc, ça ajoute des éléments supplémentaires. Et il y a des complications qui sont particulières au lambeau. On parle de microchirurgie, donc ces petites connexions-là qui sont de vaisseaux qui sont faits au microscope peuvent thromboser. Et puis, si ça thrombose, ça peut entraîner une perte du lambeau à ce moment-là. Donc, on va aller parler de deux ou trois différents lambeaux. D'abord, le DIEP, qui est le plus fréquemment utilisé. Je vous dirais que c'est vraiment le standard of care là, actuellement pour la reconstruction autogène. Alors, ça veut dire Deep Inferior Epigastric Artery Perforator. C'est le nom, c'est l'acronyme. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va inciser au niveau du bas-ventre et soulever la graisse et identifier, je ne sais pas si j'ai un pointeur là-dessus, ici, on va identifier des vaisseaux qui sortent du muscle grand droit abdominal. Et ces vaisseaux-là, on va les chercher à travers le muscle. Donc, une artère, une veine. Et puis, on prélève donc le morceau avec ces vaisseaux et on amène ça en haut ici, au niveau du sein, où on va connecter les vaisseaux sur des vaisseaux donneurs de sang qui sont situés derrière les côtes, qui s'en vont dans la région du cœur. Et donc, on connecte ces petits vaisseaux-là au microscope, ce qui nous permet de revasculariser le lambeau, le sculpter et fermer le sein. Alors, les particularités, c'est que ça dure environ 5-6 heures en salle d'opération. L'hospitalisation, comme j'ai dit, 4 à 5 jours. Un bon avantage, c'est que la qualité de la graisse est très semblable à celle du sein. C'est une graisse qui est assez souple, qui ressemble à celle qui est présente dans le sein. Le site donneur est également discret. On essaie de positionner l'incision la plus basse possible au-dessus du pubis. Et puis, comme je disais tantôt, on obtient une abdominoplastie concomitante, donc un avantage secondaire. Donc ici, on a un cas avant la reconstruction. Donc, on voit la cicatrice de mastectomie qui est située ici.
après la reconstruction, avec le tatouage de l'aréole et du mamelon, on voit la pastille de peau qui vient de l'abdomen, ce qui nous a permis de reconstruire la peau manquante du sein. Puis on obtient quand même une symétrie intéressante et une texture qui est très semblable à l'autre sein. Ici, on a un autre cas de reconstruction retardée. Ici, on a eu besoin d'une grande, un grand morceau de peau de l'abdomen pour la reconstruction. Également ici, la même chose après un tatouage. Ici aussi, dans ce cas-ci, on a préservé plus de peau du sein. On a utilisé seulement qu'une petite portion de peau de l'abdomen qui nous a servi également à reconstruire le mamelon. Un autre lambeau, c'est le lambeau S-gap, Superior Gluteal Artery Perforator. Donc, c'est les artères glutéales, c'est les artères de la fesse. Il y a une artère supérieure, une artère inférieure. Donc, on peut prendre le lambeau en haut de la fesse ou en bas de la fesse. Donc, voici les deux types de lambeaux. Donc, ils vont nous donner des cicatrices différentes. Et c'est le même principe. Alors, on soulève, on va identifier là où il y a un vaisseau perforant et on va le chercher dans le muscle le plus loin possible. Et ensuite, on retourne la patiente et puis on vient les connecter au niveau des vaisseaux mammaires internes. C'est un lambeau. Ici, dans ce cas-ci, on a fait une reconstruction bilatérale. Du côté droit, on n'a pas utilisé de peau, parce qu'il n'y avait pas eu de peau d'excisée lors de la mastectomie. Du côté gauche, il y a eu beaucoup de peau qui a été excisée, donc on a dû utiliser plus de peau. Et ça nous donne quand même une reconstruction qui est possible, mais la patiente était beaucoup trop mince pour faire un Dieppe dans ce cas-ci. Donc, les particularités, c'est que la graisse est plus ferme que la graisse abdominale. C'est la graisse du fessier, on s'assoit dessus, il y a beaucoup de ligaments à l'intérieur. C'est une graisse qui est difficile à sculpter et à obtenir une texture qui ressemble à celle du sein. Il y a deux positions, donc c'est une opération qui est forcément plus longue. Là. On parle d'environ 8 heures de chirurgie. Et finalement, je voudrais vous parler du lambeau TUG, qui est le transverse upper gracilis. C'est un muscle de l'intérieur de la cuisse, ici, près de la région inguinale. Donc, on prélève une ellipse façon horizontale dans la partie interne de la cuisse. Et cette peau-là est ensuite conifiée, on la met en cône de façon à former une forme de sein, et puis on l'amène en haut et puis on la branche de la même manière sur les vaisseaux mammaires internes. Donc voici un résultat, donc à préopératoire et post-opératoire, c'est quand même bon résultat, et puis au niveau des cicatrices, ils sont bien confinés à l'intérieur des cuisses. Donc, les particularités ici, c'est que c'est adéquat pour des seins de petit volume ou de volume moyen. On ne peut pas reconstruire un sein de très gros volume avec cette graisse-là parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et on a une bonne projection qui est obtenue parce qu'on conifie le lambeau. Le site donneur est discret, mais par contre, il est parfois difficile à guérir étant donné que c'est une zone qui est parfois contaminée par des bactéries et puis il y a parfois des ouvertures de plaies, des infections de plaies. Donc, c'est le point négatif de ce lambeau-là. Donc, en conclusion, la reconstruction mammaire autogène nous donne un résultat naturel et durable. C'est vraiment l'avantage là, de cette reconstruction-là. Et puis, c'est sans les risques qui sont associés aux implants. Donc, c'est idéal également s'il y a eu de la radiothérapie préalable au niveau du sein. Et par contre, on a une chirurgie et une hospitalisation plus longue. Et puis, on a un site donneur additionnel avec une morbidité qui peut compliquer la chose. Voici. Merci de votre attention. Je tiens juste à mentionner que les chirurgiens reconstructeurs dans l'unité d'expertise au CHUM sont tous des microchirurgiens, donc entre le Dr Gagnon et tous les chirurgiens. J'invite Mme Caroline Grégoire pour donner son témoignage. Caroline. Alors, bonsoir. Vous allez voir, je vais utiliser des mots très, très, très simples, moi. N'étant pas docteur, je voulais vous parler tout d'abord de ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai eu en 2016 un diagnostic de cancer du sein. On a procédé au sein gauche, on a procédé à la mastectomie partielle pour ensuite, un mois plus tard, procéder à une mastectomie totale avec reconstruction mammaire immédiate. Dans mon cas, je dois dire que j'étais une candidate parfaite pour ça.
J'étais toute fière, j'étais contente. Présentement, j'ai 49 ans, donc en 2016, vous imaginez que pour moi, perdre un sein, c'était dramatique. Alors, c'était une option qui m'enchantait. Ensuite, se sont développées des suites de cette chirurgie-là, parce que moi, je suis ici pour parler de la vérité. J'inventerai rien. Ce qui est arrivé de mon côté, c'est que j'ai développé un lymphédème, ensuite des douleurs très, très neuropathiques, très aiguës. J'ai été en centre de douleurs, j'ai été suivie par le service de centre de douleurs à Sherbrooke, puisque je viens de là. Et je ne mentirais pas, j'avais encore cette fatigue intense et les douleurs qui me rendaient un petit peu plus grognonne, je dirais, malgré mes bonnes volontés de rester toujours souriante et de prendre cette maladie-là avec le plus d'humilité possible et de faire ressortir mon petit côté joyeux pour essayer de contrer les mauvaises journées. Cependant, j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça, ça ne se peut pas, c'est impossible, on ne peut pas avoir subi cette grosse opération-là, perdre un sein, puis se retrouver avec un autre problème qui en découle, qui est encore, parce que, je veux dire, j'avais pas mal à nulle part, le cancer du sein, ça fait pas mal. C'est ce qui s'en suit qui cause des dommages. Alors, je me suis mis à regarder des vidéos, aller voir. Je vais être honnête, je suis pas trop allée googler des choses parce que j'avais peur de trop voir des choses sur des sites qui n'étaient pas appropriés. Donc, je m'en suis tenue, puis ça, j'en suis très, très fière, au site de la Société canadienne du cancer et de la Fondation du cancer du sein du Québec, ainsi que ceux du CHUM. J'étais vraiment bien informée. Et je suis allée à des forums, je suis venue à des Bra Day, parce que bon, avant le Bravo, c'était Bra Day. Et c'est là que j'ai rencontré le magnifique docteur Boumeri et le docteur Yunan, qui est mon oncologue. J'ai eu des suivis rigoureux et tout ça. Et c'est en étant ici parmi la foule que j'ai compris qu'il y avait des options. Comme tout à l'heure, docteur Dumbrava. Docteur Dumbrava a dit, on peut refuser un traitement, mais moi, je ne savais pas. Ça, c'est comme si tout pressait. Allez, vite, vite, allô, t'as un cancer, bingo, on enlève ça, puis on rebouche le trou, merci, bonsoir. J'ai senti que ça s'est fait de cette façon-là. Et puis, quand j'ai assisté à ces soirées-là, j'ai compris que j'avais des options. Et là, je me disais, bien, il est trop tard. Je suis prêt avec ça. J'avais un petit sein avec l'autre sein tombant. Et puis, je me sentais vraiment perdue dans tout ça. Jusqu'à temps que je discute, que je prenne mon courage à deux mains, que je discute avec Dr. Boumeri. Et bon, de fil en aiguille, on a jasé, je l'ai rencontré, je suis allée dans son bureau et tout ça. Et puis, là, il m'a présenté justement ces options-là. Comme j'avais énormément de mal dans derrière, dans le dos et tout ça, l'option de prendre le grand dorsal, c'était préférable de ne pas réveiller le dragon, comme on dit, parce que c'était ma douleur se logeait là. Alors, on est allé pour le dièpe. Mais je vais prendre l'accent du docteur Boumeri ici. Il m'a dit, Caroline, tu dois avoir un beau ventre, là. Tu n'as pas de ventre. Alors, il m'a dit d'engraisser. Je l'imite pas pire, hein? Alors, j'ai dit, engraisser? Mais voyons, je me trouve super belle de même. Est-ce que c'est ça? J'étais vraiment découragée. Un médecin qui me dit, prends du ventre, là. Prends du ventre, je peux prendre du ventre. Elle, je suis sortie, je vous le jure, sur la tête de ma défunte maman. Je suis sortie de son bureau, j'étais avec mon fils, et on s'est ramassé dans un restaurant, on a pris des photos, j'ai mangé de la tarte, toutes sortes d'affaires. Je voulais engraisser parce que je voyais une solution. Alors, mais essayez-vous d'engraisser juste du vent. Ça, c'est une autre histoire.
Mais, alors, bon, j'ai engraissé, je retourne le voir et dans sa grande sagesse et délicatesse, il m'a dit « Oh là là, t'as pris ça au sérieux! » Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais vraiment la chirurgie. Alors, voilà, et j'ai pris ça au sérieux, et lui aussi prenait ça au sérieux, parce que je ris bien, là, mais Dr Boumiri, ce que j'ai apprécié de son équipe, de lui et son équipe, c'est qu'il considère le corps de la femme, je pense, pas me tromper en disant ça, comme une œuvre d'art, et il veut que ce soit bien fait. C'est une chirurgie artistique, si on peut l'appeler comme ça, c'est sûr, c'est esthétique, mais il veut que ce soit beau pour que nous, on se sente belle puis qu'on se sente bien femme. Alors, j'ai eu ce... Maintenant, j'ai un beau petit ventre. Et je vous jure que j'aurais souhaité ne pas passer par la première opération parce que maintenant, j'ai un bon petit sein tout à moi. Je sens que c'est parfait. Je sens que c'est... ça a été toute une épreuve. Mais je suis très, très fière d'avoir choisi cette option. Et je répète, d'avoir choisi cette option. Merci. C'est mes enfants. Toujours rester positif. Avoir le sens de l'humour. Pas toujours. Et toujours avoir de la compagnie avec nous. Merci. Merci, Caroline. J'ai eu une mastectomie et ma reconstruction en même temps. Je suis très satisfaite, mais c'est quoi mes suivis en radiologie après la reconstruction, que ce soit le Dieppe ou un implant? Et s'il y a une récidive, est-ce qu'on peut la détecter facilement malgré la reconstruction, que ce soit un Dieppe ou un implant? J'invite Dr Elkhoury aussi en radiologie pour nous parler de la détection des récidives ou l'imagerie post-reconstruction. Merci. Il y a une qui manque, non? Alors, je vais juste vous dire que le suivi dans la littérature, le suivi après mastectomie totale est simplement l'examen clinique, que ce soit avec ou sans reconstruction. Il n'y a pas de place vraiment de l'imagerie dans le suivi chez les patientes qui sont asymptomatiques. Et vous comprenez ça peut-être mieux. Ça, c'est une dame qui a eu une mastectomie totale des deux côtés avec reconstruction par prothèse. On voit juste la peau et le muscle qui est devant. Mais s'il y a une récidive, c'est à l'examen clinique qu'on va la détecter. On n'a pas vraiment besoin de la mammographie pour le détecter. Donc, c'est un suivi clinique qu'on fait. Nous, on a au début commencé par faire des suivis mammographiques pour tout le monde. Puis, on s'est rendu compte que l'apport de la mammographie dans ce cas-là n'est pas important. Donc, comme une alternative, on fait une échographie en plus de l'examen clinique pour les patientes avec reconstruction par implant. Pour les patientes qui ont une mastectomie sous-cutanée, c'est-à-dire, comme vous avez entendu, où la peau et le mamelon sont respectés, ils ne sont pas été enlevés, il y a des fois où il y a un risque qu'il y a un peu de glande derrière le mamelon. À ce moment-là, si le chirurgien il sent qu'il y a un peu de glande qui reste, on peut faire un suivi par mammographie pour détecter éventuellement des microcalcifications ou des choses qu'on ne peut pas détecter à l'examen clinique. Pour les patientes qui ont eu reconstruction par prothèse et lambeau, comme le lambeau grand dorsal, on voit qu'il y a quand même du tissu qui entoure la prothèse. La détection à l'examen clinique va être plus difficile. Donc, on peut demander une mammographie. Le suivi se fait souvent par mammographie au CHUM pour voir s'il y a des détections, qu'il y a des récidives plus profondes qui peuvent ne pas être détectées à l'examen clinique. Mais je répète, la littérature ne demande pas un suivi radiologique de ces patients.
Le seul apport de la mammographie, quand on a une reconstruction par l'embo-autologue, on voit qu'il y a du gras. Vous vous rappelez qu'au début, on a dit, quand le sein est graisseux, la détection est beaucoup plus facile pour les petites anomalies. S'il y a une petite masse qui apparaît dans un sein graisseux, on va la détecter plus facilement que si on attend qu'elle grossisse pour la détecter à l'examen clinique. Donc, le suivi pour les patientes qui sont reconstruites par l'embo, que ce soit Tram ou Dieppe, autre type de lambeau, se fait par la mammographie. Et aussi, pourquoi c'est des dames qui ont des masses palpables, puis l'anomalie palpable la plus fréquente dans un sein reconstruit est la nécrose graisseuse, comme vous voyez indiqué par ces flèches. On voit qu'il y a comme des kystes huileux, ils ont la même densité que le tissu graisseux du lambeau. Ces masses sont palpables et la dame, elle panique parce qu'elle a une masse palpable et la mammographie, c'est l'examen idéal pour confirmer que c'est une masse graisseuse qui est due à la nécrose de la graisse et non pas une récidive. Il faut dire que ces nécroses graisseuses peuvent se calcifier avec le temps, elles deviennent plus dures à la palpation, ça augmente l'angoisse de la patiente, mais pour nous, c'est quelque chose qui est complètement bénin, on n'a pas besoin de s'énerver là-dessus. Voilà. J'ai maintenant malheureusement des métastases. Quelles sont mes options? C'est quoi le rôle de la chimiothérapie? J'invite Dr Charpentier, hémato-oncologue du CHUM et co-gestionnaire du Centre intégré, à nous parler de ça. Merci. Bon, en général, je ne suis pas le spécialiste qu'on aime bien aller voir. Mais je veux quand même vous laisser un message d'espoir. Ce qu'il y a d'extraordinaire, ça fait quand même plus de 25 ans que je fais ce métier-là puis que je m'occupe des femmes qui sont porteuses de cancer du sein, c'est qu'il y a eu des avancées extraordinaires. Et encore, chaque année, il y a des nouveaux traitements qui apparaissent. Souvent, les questions qu'on se fait poser, c'est qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui va faire nos choix de traitement lorsqu'on rencontre une patiente qui nous est référée parce qu'elle a une récidive à distance, que ce soit aux os, au foie, au poumon ou cutané. Alors, il y a des facteurs qui vont nous aider à faire nos choix. Souvent, le traitement que les patientes ont reçu, le délai aussi par rapport au traitement initial, mais principalement, les récepteurs hormonaux vont nous aider à faire notre choix de traitement, puis je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Près de 80%, 70% des femmes ont des récepteurs sur leur tumeur hormonale œstrogénique positif ou progestatif. Et ça va nous aider beaucoup dans nos choix de traitement. Maintenant, on peut aussi dépister la surexpression d'un marqueur qui s'appelle le HER2 nœud, chez à peu près 15% des patientes métastatiques. Et de plus en plus, il y a des nouveaux marqueurs qui apparaissent. Les mutations du PIK3CA, qui sont des marqueurs de résistance à l'hormonothérapie, des marqueurs aussi qu'on voit maintenant en protocole de recherche, mais qui vont avoir des applications dans le quotidien très bientôt, j'en suis certaine. Et aussi, chez des patientes mutées, BCR1, BCR2, il y a des nouveaux traitements qui apparaissent. Ce qu'il y a de nouveau, je vous dirais, dans les dernières années, c'est dans les bloqueurs hormonaux maintenant, on a trouvé des molécules, des traitements ciblés. Je vous les ai nommés ici, il y en a trois principaux qu'on connaît, le palbociclib, le ribociclib et l'abemaciclib, qui, lorsqu'on les associe aux bloqueurs hormonaux, vont doubler le taux de réponse et la durée de réponse. Ce qui est extraordinaire, parce que dans le fond, quand on traite une patiente qui a un cancer du sein métastatique, on mise sur sa qualité de vie aussi. On ne veut pas juste traiter une patiente qui a un cancer du sein métastatique, on veut lui permettre aussi de profiter de la vie, de profiter de sa famille, de continuer à être active. Il y a de plus en plus de patientes qui continuent de travailler, même quand elles ont une récidive de leur cancer. Donc, l'association de ces traitements-là, et tout récemment, un congrès en Europe, ils ont démontré que l'association des bloqueurs hormonaux avec ces traitements ciblés-là, qui dans le fond, vont à l'encontre de la résistance, permettent aux patientes, en fait, même d'avoir un gain de survie. On a aussi des médicaments, d'autres types de bloqueurs hormonaux qui sont apparus dans les dernières années, entre autres le fulvestrant, qu'on peut donner associé aussi à ces anti-CDK 4-6 et qui augmente le taux de réponse et la durée de réponse. Et on a aussi d'autres médicaments qui vont jouer sur la résistance médicamenteuse, comme l'everolimus,
Et on a maintenant aussi l'alpécilib, qui est un médicament qui joue aussi sur la résistance avec, qu'on peut associer au fulvestrant. Donc, on a de plus en plus de médicaments qui vont doubler les taux de réponse aux bloqueurs hormonaux, la durée, améliorer la qualité de vie. Chez les patientes qui ont une surexpression du HR2/NUR, auparavant, on n'avait pas de traitement ciblé pour elles et malheureusement, le pronostic était moins bon. Maintenant, avec des anticorps vraiment dédiés pour cette surexpression-là, on a vraiment augmenté les taux de réponse, la durée de réponse et la survie. Entre autres, maintenant, on peut donner du pertuzimab avec du trastuzimab, ce qu'on appelle l'herceptin, avec des taxanes. On a des nouvelles molécules qui sont apparues aussi, comme le TDM1. On a le lapatinib qu'on peut donner à une association. Donc, on a de plus en plus de choix de traitement et le pronostic s'est amélioré chez cette femme-là. Et elle peut vivre maintenant longtemps, pas juste avec de la chimio, mais avec des anticorps qui leur permettent de garder une qualité de vie. On a toujours la chimiothérapie, mais on essaie de plus en plus maintenant de nous éloigner de la chimiothérapie avec la toxicité pour essayer d'aller vers des traitements beaucoup plus ciblés. Je parlais tantôt des patientes qui sont mutées BCRA1, BCRA2. Il y a des nouveaux traitements qui s'en viennent, qui agissent sur des anticorps, l'olaparib, le talazoparib, qui va permettre aux patientes d'avoir des taux de réponse supérieurs, des durées de réponse supérieures. Et même chez les patientes qui sont triple négatifs, on est en train d'identifier certains marqueurs, le PD-L1, qui leur permettraient pour ces patientes-là de bénéficier de l'immunothérapie associée avec la chimio. Donc, ce que je voulais laisser ce soir, c'est surtout un message d'espoir. Ce que je veux dire aussi, c'est que de plus en plus, on réalise qu'on est tellement meilleur avec nos traitements hormonaux, nos bloqueurs hormonaux et nos traitements ciblés, qu'on est capable de laisser la chimiothérapie plus en deuxième ou troisième intention de traitement. Donc, tout récemment, dans le Lancet, il y a eu une revue de littérature qui a revu les traitements ciblés associés à l'hormonothérapie versus la chimiothérapie. On s'est aperçu que les traitements hormonaux avec les combinaisons étaient aussi efficaces que la chimiothérapie. Il faut comprendre que malheureusement, il y a encore des patientes qui vont avoir besoin de chimiothérapie en première ligne, surtout les patientes qui ont une atteinte du foie importante, une atteinte pulmonaire importante et chez qui on veut avoir un gain sur la maladie rapidement. Donc, ce que je veux laisser aujourd'hui, c'est un message d'espoir, même si les patientes présentent des métastases. Ce que je veux dire aussi, c'est de participer au protocole de recherche parce que c'est ça qui va faire la différence. Puis je peux vous dire, je fais partie d'un groupe, d'un comité scientifique de McPeak-Sirois dont l'objectif est d'implanter, de permettre aux femmes de participer à des protocoles de recherche, peu importe dans quels hôpitaux ils seront traités à travers le Québec. Donc, c'est ça qui va faire la différence. Et plus on va trouver des traitements efficaces en métastatique, plus on va pouvoir les implanter en précoce et moins on va en voir des patientes qui vont être métastatiques. Merci. Merci, Dr. Charpentier. Dr. Pierre Rousseau, il est là. Est-ce qu'il y a un rôle de la radiothérapie dans les contextes de récidive ou de métastase à distance? Merci. Merci de l'invitation. En fait, j'ai pas préparé de diapo. Je voulais, l'aspect du rôle de la radiothérapie dans la maladie récidivante ou dans la maladie métastatique est vraiment très, très individualisé. Et il y a beaucoup d'indications, il y a beaucoup de rôles, d'objectifs qu'on peut avoir avec la radiothérapie. Mais je voudrais surtout juste parler brièvement, en fait, de l'importance de la radiothérapie dans un rôle préventif. Chaque femme est individuelle, elle a sa maladie à elle. On ne peut généraliser sa situation à 100%. Donc, quand on est atteint d'un cancer du sein, généralement, on verra un radio-oncologue dans notre évaluation, un moment ou l'autre. Ce sera peut-être avant la chirurgie, lors du diagnostic initial. Mais généralement, il y aura un radio-oncologue qui nous verra puis qui pourra voir avec vous le bénéfice possible de la radiothérapie. Donc, on s'asseoir ensemble, on regardera quel type de chirurgie aura été faite, qu'est-ce qu'on aura retrouvé à cette chirurgie-là. Est-ce que les ganglions sont atteints? Quelle était la taille de la tumeur. Et ensemble, on pourra discuter de l'avantage possible de la radiothérapie. Est-ce qu'il y a un rôle à faire ces traitements-là? La radiothérapie, on en parle pas beaucoup, mais quand même, c'est un traitement qui prend une certaine place dans une vie, qui peut avoir aussi certains effets secondaires et des effets secondaires, on n'en veut pas. On voudrait toujours, toujours tenter de réduire au minimum les impacts de tous les traitements qu'on a reçus. Mais
Le radio-oncologue sera là pour en parler et voir s'il y a un bénéfice possible des traitements. C'est quoi ce bénéfice-là? C'est pourquoi je fais la radiothérapie? Puis, je voudrais parler qu'au CHUM, bien, on travaille avec des chirurgiens-oncologues, des plasticiens, des oncologues. Donc, la reconstruction, ça fait partie de notre vie. À tous les jours, on voit des femmes qui auront des reconstructions, puis on est dans un centre où on est capable d'intégrer toutes ces modalités-là pour vraiment choisir autant la meilleure chirurgie, le meilleur moment de faire ces traitements-là pour faire en sorte que les traitements soient sécuritaires et bien tolérés. Donc, la radiothérapie a un rôle important, va réduire des risques de rechute, et ça, ça peut être intégré dans quels que soient les plans de chirurgie, qu'on ait une chirurgie conservatrice, qu'on préserve son sein, qu'on ait une chirurgie plus complète de mastectomie, qu'on ait également une mastectomie avec une reconstruction. Donc, au CHUM, l'équipe des radio-oncologues, on est bien outillés pour vous rencontrer et parler des bénéfices possibles de la radiothérapie, puis faire ce traitement-là, si nécessaire, de façon sécuritaire. Merci. Le 13 octobre, c'est la journée nationale du cancer du sein métastatique, donc il faut y participer aussi. La recherche constitue encore notre seul espoir, comme disait Dr. Charpentier, donc il faut continuer à travailler là-dessus. J'invite Patricia pour donner son témoignage. Merci. Merci, Dr. Bouméry. Et je voulais dire merci au Dr. Rousseau parce que récemment, je m'étais retrouvée aux urgences avec des douleurs intenses. J'étais plus capable de marcher et ils m'ont sauvée littéralement avec la radiothérapie. Et là, je suis très bien. Merci. Alors, bonsoir à tous. Mon nom est Patricia Stéphane, maman de deux beaux garçons, avec mon conjoint depuis 20 ans. Je suis biochimiste de formation avec une maîtrise en développement du médicament. Ironiquement, avant mon diagnostic, je monitorais des études cliniques en oncologie. Et contre toute attente, et après avoir allaité mes deux garçons, j'ai détecté une bosse à mon sein droit. C'était il y a 5 ans et j'en avais 35. Mon diagnostic est tombé, cancer du sein hormonal. Puis tout s'est enchaîné, un tourbillon de rendez-vous et un mois plus tard, je me faisais opérer et je travaillais jusqu'à la veille de mon opération. J'ai quand même eu le temps de me renseigner sur les options que j'avais et je me rappelle encore de mes premiers rendez-vous avec l'équipe de chirurgie du CHUM. Tout d'abord avec le Dr. Younan, mon oncologue. Son écoute, son empathie, vraiment, je me suis sentie vraiment en sécurité. Je devais perdre mon sein, mamelon inclus, puisque la bosse était juste au-dessus. Donc, j'ai opté pour une mastectomie complète avec reconstruction, avec un implant. Et c'est là que j'ai rencontré le Dr. Bouméry, mon plasticien, qui m'a tout de suite rassurée en me disant « Pense juste à te débarrasser de ton cancer. Moi, je vais m'occuper de te refaire des beaux seins. » J'ai trouvé ça bien drôle. Il a réussi à me faire rire à travers mes larmes et j'ai senti vraiment que j'étais en de bonnes mains. Les étapes post-chirurgie n'ont pas été faciles. Découvrir son sein presque plat, une cicatrice épaisse et bombée, puis l'attente de finaliser la reconstruction, enlever l'expanseur dur comme de la roche. Finalement, un an plus tard, je complétais mon opération et le résultat était très impressionnant. Et malgré tout, à chaque matin, en sortant de la douche et en voyant le reflet de mes cicatrices dans le miroir, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine tristesse face à ce que j'avais perdu. Le Dr. Bouméry me parlait tout le temps de la suite, planifier une reconstruction avec un mamelon, mais j'étais tannée des interventions chirurgicales. Je suis tombée sur un article de David Allen, un artiste tatoueur de Chicago, qui faisait des tatous post-mastectomie. Dans cet article, il décrivait le processus de guérison par un tatouage artistique. Il parlait de prise de contrôle, de reprendre le contrôle sur son corps. Et son article est vraiment venu me chercher. Je réalisais que j'avais perdu cette partie de moi et que c'était inutile d'essayer de reproduire un sein qui n'était plus là. Je voulais le transformer en quelque chose d'artistique et de beau, mais surtout, je voulais reprendre le contrôle sur mon corps, sur mon cancer. Malheureusement, un an après ma reconstruction, en juin 2017, le cancer réapparaissait dans mes os. Mon cancer était devenu métastatique, de stade 4. Je vous épargne les détails du choc et les traitements de chimio qui se sont suivis,
Mais puis l'an dernier, en 2018, je suis tombée par hasard sur un groupe Facebook qui s'appelle P.Inc. Day Montréal. C'est un groupe organisé par Karen Malkin, qui est ici présente ce soir. Et c'est un événement où des tatous sont offerts à des femmes qui ont subi une mastectomie. J'ai tout de suite envoyé mon application à Karen, mais malheureusement, l'événement était complet. 10 jours plus tard, je recevais un appel de Karen. Elle venait d'avoir une cancellation et j'avais une place. C'était un cadeau du ciel parce que je venais juste d'avoir des résultats de PET scan et j'apprenais que le cancer avait atteint mon foie. Faire ce tatou allait à l'encontre des recommandations de mon infirmière et mon nouvel oncologue. Mais comme j'étais entre deux traitements de chimio, le timing pour moi était parfait. J'ai quand même angoissé à la veille de cet événement, mais avec l'appui de mon conjoint, de Karen et de Debbie, une amie ma partner in crime, et qui a aussi un cancer métastatique, mais qui a fait plusieurs tatous dans les dernières années, j'ai décidé que j'avais plus rien à perdre, alors j'ai foncé. La séance de tatouage s'est super bien déroulée. Ma peau a à peine réagi, ma tatoueuse n'en revenait pas. Et en prime, je sentais presque rien, j'ai pas eu beaucoup de douleur parce que j'ai plus de sensations. Le résultat m'a émue aux larmes, mais cette photo parle vraiment d'elle-même. Ce tatou vraiment m'a redonné confiance, sensualité et un certain pouvoir. J'aurais jamais cru qu'un tatou pouvait avoir cet effet-là. Plusieurs jours après l'événement, je pleurais en sortant de la douche, en voyant mon reflet, mais c'était des larmes de joie. Dans la semaine suivante, j'ai montré mon tatou à mon oncologue, à mon infirmière et à tout le monde à virage. Mon oncologue a bien ri et il m'a même demandé les références de ma tatoueuse. J'étais en extase, tout le monde a adoré et on voyait ma transformation. Depuis, la vie continue en tant que stade 4. Les traitements et les scans se suivent et ça n'a rien de rose. Mais j'ai aussi beaucoup de beaux projets. J'ai beaucoup d'espoir en la recherche et j'ai investi beaucoup de mon temps pour militer pour le cancer du sein métastatique. Et d'ailleurs, j'ai mon logo qui représente bien le cancer du sein métastatique. Ce n'est pas toujours rose, mais on est là. J'ai aussi beaucoup d'espoir et encore beaucoup plein de projets et de beaux voyages qui s'en viennent à faire avec ma famille. D'ailleurs, pour mes 40 ans cette année, mes amis et ma famille nous ont permis de réaliser un rêve, un voyage à Hawaï. Et en plus, j'avais l'approbation de mon oncologue. Alors, ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. Et ce ne sera pas mon dernier, mais les prochains, ça va être sur le compte de mes REER. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Yunnan a accepté de financer une partie. On opère, on fait une mastectomie, on fait une reconstruction, mais on oublie la physiothérapie. Les patients s'en plaignent. Puis parfois, ils trouvent vraiment beaucoup de bénéfices avec la physiothérapie. Mélanie, physiothérapeute ici, voilà. Bonsoir. Ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, j'ai 5 minutes, je vais faire ce que je peux. Donc, voici le plan de la présentation. J'y vais tout de suite. Il y a plusieurs objectifs à atteindre avec les exercices à faire suite à la chirurgie. On veut retrouver de la souplesse dans les tissus. On veut retrouver une mobilité au niveau de l'épaule, de la force en général, pour vous permettre de retourner faire les activités que vous aimez faire le plus rapidement possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, avant une chirurgie, il y a une certaine mobilité entre les différentes couches de tissus, entre votre peau, les tissus graisseux, les fascias et les muscles. Donc, tous ces tissus-là bougent un par rapport à l'autre. Une fois qu'il y a eu la chirurgie, pendant le processus de cicatrisation, il y a des adhérences qui peuvent se former, ce qui limite la mobilité de ces tissus-là. Ce qu'on veut faire avec les exercices, c'est de retrouver cette mobilité-là le plus possible. On doit garder en tête que la cicatrice de la mastectomie, la vraie, elle est beaucoup plus grande que celle que vous voyez.
Donc, en bleu, sur la photo de droite, vous pouvez voir l'étendue de la cicatrice d'une mastectomie. Donc, ça va de la clavicule jusqu'au sternum, jusqu'en dessous du bras. Donc, c'est normal, lorsque vous bougez après la chirurgie, que vous ressentiez des étirements dans toute cette zone-là. Et ça peut changer au fur et à mesure que vous gagnez en mobilité. La photo à gauche peut juste illustrer la tension qui est mise dans tous les tissus lorsqu'on vient bouger l'épaule. Donc, ça peut étirer vraiment jusqu'au niveau du ventre. Ça, c'est pour illustrer les tissus qui sont étirés lors d'une mastectomie. Vous pouvez vous imaginer si on a une reconstruction avec des lambeaux. Donc, dans les sites donneurs, il va aussi y avoir des étirements à ces endroits-là. Certaines personnes peuvent développer, après la chirurgie, ce qu'on appelle un cordon maxillaire. Donc, on peut avoir une corde, ce qui peut être simplement localisé au niveau de l'aisselle, mais qui peut s'étendre jusqu'au coude et même parfois jusqu'au poignet. Ce n'est pas dangereux, mais ça peut être embêtant et ça limite la mobilité. On doit continuer à faire les exercices tels qu'ils ont été prescrits après la chirurgie. À l'occasion, ça peut valoir la peine, si on voit que ça ne se résout pas, de demander une requête en physiothérapie pour avoir des exercices plus spécifiques et possiblement des manipulations aussi au niveau des tissus pour vous aider à retrouver votre mobilité. Donc, les exercices post-chirurgie, au CHUM, on a développé plusieurs fiches santé qui vous expliquent quoi faire après la chirurgie. Donc, si vous allez sur la page d'accueil du CHUM, en bas à droite, donc dans l'encadré rouge ici, il y a un lien qui vous mène vers toutes les fiches santé qui ont été développées au CHUM. Donc, chaque fiche santé, donc il y en a une pour lorsqu'on n'a pas de reconstruction, et il y en a une pour chaque type de reconstruction, celles qui sont le plus pratiquées au CHUM. On doit prendre note que pour chaque type de reconstruction ou sans reconstruction, il y a certaines restrictions, certaines précautions à respecter suite à la chirurgie pendant 2, des fois 4 semaines. Donc, c'est important de bien les lire, d'être bien informé. Quand on fait les exercices, il y a 2 règles que j'aime bien rappeler. La première, c'est que pas de douleur. Ça peut tirer, être inconfortable, mais ça ne devrait pas être douloureux. J'aime dire que les grimaces sont interdites. Si vous êtes en train de grimacer, vous êtes rendu trop loin. On doit sentir un inconfort, que ça tire, mais ça ne devrait pas être douloureux. Ensuite, il faut se rappeler de respirer. Souvent, lorsqu'on anticipe que ça va faire mal ou lorsqu'il y a un petit peu de douleur, on a tendance à se crisper et à arrêter de respirer. C'est important de respirer pour être plus relâché et donc rendre nos exercices plus efficaces. Les cicatrices. Comme je l'ai dit, l'étendue des cicatrices, elle est plus vaste que celle que vous pouvez voir. Donc, la meilleure façon de retrouver une mobilité au niveau de vos cicatrices, c'est de bouger. Donc, vraiment de faire vos exercices. Ensuite de ça, le bonus, c'est de faire les massages. Donc, l'objectif des massages des cicatrices, c'est d'aller assouplir les tissus localement pour les rendre plus mobiles. On débute ça environ 4 semaines après la chirurgie. Il faut attendre qu'il y ait quand même une certaine guérison qui se soit faite. Et vous pouvez aller consulter à ce sujet-là une fiche santé qui est spécifique sur le site du CHUM. Après la chirurgie, les activités. Je vous rappelle de vous référer aux fiches pour savoir quel type d'activités sont indiquées à quel moment. Globalement, on n'a pas le droit de soulever de charge, c'est-à-dire environ 2 kg pendant les 4 à 8 premières semaines après la chirurgie, selon le type de chirurgie. Après 4 semaines, il n'y a plus de restrictions en termes de mouvement au niveau de l'épaule, actif, toujours sans soulever de charge. Et le retour aux activités normales, sportives, peut se faire à partir de la 8e, des fois la 12e semaine après la chirurgie, encore là, selon le type de chirurgie qui aura été effectué. Merci beaucoup. J'invite Mme Sylvie Fortin pour son témoignage. Bonsoir. L'an passé, j'étais assise à votre place, puis c'est en écoutant les témoignages que j'ai eu envie de proposer le mien pour cette année. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, puis j'aurais aimé ça en savoir davantage quand moi j'ai commencé cette aventure dans le cancer. En fait, pour moi, c'était oui, c'est possible de continuer de faire du sport pendant et après les traitements d'un cancer. Ça, c'était moi, en septembre 2017. J'étais vraiment au sommet de ma forme. Ça faisait plusieurs années que je m'entraînais en triathlon.
C'était une passion que j'aimais beaucoup. Et c'était, je venais juste de faire mon meilleur temps au triathlon olympique de Montréal. C'était 2 semaines avant mon diagnostic. J'ai eu un cancer bilatéral, grade 2, grade 3, ganglion atteint, avec des masses de 4 cm de diamètre. On a opté pour la chimiothérapie avant la mastectomie pour réduire les masses, mais on m'avait dit de ne pas avoir trop d'attente quant à la réduction des masses. Là, je vais juste faire une petite mise en garde. Je ne suis pas ici pour vous dire d'aller faire un triathlon, un marathon, d'aller faire quelque chose d'intense que vous n'avez jamais fait. Ce n'est pas le moment. Mais si vous en faites, oui, c'est possible de continuer. Il faut surtout s'écouter, y aller à son rythme. Lors d'un cancer, je pense qu'on met un peu notre vie sur pause. Puis je pense que c'est important de trouver, de continuer à faire des choses qu'on aime au quotidien pour vivre le moment présent, pour passer à travers quotidiennement, être passé des belles journées. Pour moi, c'est important de pouvoir continuer à faire de l'exercice physique. Et c'est aussi une façon de garder un certain contrôle sur ma vie. Donc, pendant la chimio, on m'a installé un porte-quatre. C'était pas, moi, je voulais continuer à nager. On m'avait dit que ce n'était pas nécessairement sûr que je pouvais continuer. On avait peur que le porte-quatre, il bouge. Mais moi, j'avais une coach, ma coach de triathlon. Elle avait une piscine de nage, puis elle m'a permis de nager. Donc, avec l'approbation de mon médecin, j'ai essayé. Et j'ai réussi à nager tout au long de ma chimio. Donc, pendant les 5 mois de ma chimio, j'ai continué à courir, à nager, à faire du vélo, à prendre l'exercice. J'allais même faire des 8 km de ski de fond avant mes séances de chimio. J'arrivais vraiment énergisée lors de mes séances. Moi, dans ma tête, je me disais que le corps, c'est une machine. Puis si je le fais bouger, bien, je vais faire circuler le produit qu'on m'injecte, puis ça va sûrement m'aider. Donc, à la fin de ma chimiothérapie, c'était 3 jours avant l'événement une pause pour le 11, et j'ai décidé d'y aller en maillot pour montrer que oui, c'est possible de continuer de faire l'exercice et de bouger tout au long de la chimio. On m'avait dit, pour avoir trop d'espoir, que les masses réduiraient. Eh bien, finalement, mes masses ont vraiment fondu. Il a resté seulement d'infimes petites traces qu'on a trouvées lors de la pathologie après la mastectomie. Donc, un mois plus tard, l'événement, j'ai eu ma mastectomie complète avec implant expanseur et évidemment axillaire à gauche. Donc, c'est sûr, après la mastectomie, bien là, on parle vraiment de réadaptation, comme Mélanie parlait. Donc, j'ai arrêté 2 mois de m'entraîner, mais tout de suite après, j'ai recommencé, surtout là, c'était des petits pas à la fois pour retrouver de la mobilité et de la flexibilité. J'avais plus de force, j'ai plus d'endurance, mais on se rebâtit, ça revient. Il ne faut pas lâcher parce que oui, ça revient. Donc, pas longtemps après, c'est durant l'été, j'étais en discussion pour faire la radiothérapie ici au CHUM, parce que moi, j'ai fait ma chimio et ma chirurgie à Sacré-Cœur, mais on m'a référé ici au CHUM. Et au même moment que j'étais en discussion pour faire la radiothérapie, j'ai commencé à enfler. Donc là, début d'un lymphodème, stade 1, durant l'été, parce qu'il faisait très chaud. Là, j'ai vraiment paniqué. Pour moi, c'était pire le lymphodème que le cancer, parce que moi, mes seins, après avoir eu 3 enfants, les avoir allaités, ça ne me dérangeait pas qu'on change mes seins, mais je voulais pouvoir continuer à utiliser mes bras. Donc, j'ai discuté avec mon radio-oncologue. J'ai pu éviter d'avoir la radiothérapie du côté gauche. Ensuite, j'ai eu d'autres opérations. J'ai eu salpingo-variectomie parce que je suis BRCA2. J'ai même eu un remplacement d'implant parce que mon expanseur a crevé. Mais à chaque fois, j'ai continué à m'entraîner, à reprendre, à recommencer mes activités, parce qu'à chaque médecin que je rencontrais, je posais la question, quand est-ce que je peux recommencer? Puis, après tout ça, en juin dernier, j'ai pu enfin faire mon premier triathlon au post-cancer. C'était au Mont-Tremblant l'été passé. J'étais très fébrile avant la nage, pendant la course, et je l'ai complété. C'était une victoire pour moi de l'avoir complété parce que c'était vraiment, j'ai bouclé la boucle, je suis revenue un peu à la case départ. Hein. Pour moi, faire de l'exercice, ça a été vraiment plus que bénéfique. J'ai pu continuer à faire les choses que j'aimais. Ça aide à gérer mes effets secondaires que je n'ai pas, ni au niveau de la ménopause, ni au niveau de tous les effets secondaires que j'aurais pu avoir avec la médication.
Les médecins prennent une grande place dans notre guérison, mais je pense que nous aussi, on a une place à prendre pour que notre quotidien soit agréable, puis de gérer toutes les petits à côté que souvent on n'a pas le temps de parler avec les médecins parce que ça va très vite. Donc, c'est ça que je voulais bien vous dire. Et il me reste une dernière chirurgie, un expanseur à remplacer. Je sais que je vais reprendre une pause, mais je vais pouvoir recommencer par la suite parce que je suis réinscrite pour Tremblant l'année prochaine. Hein? On arrive au dernier bloc avant de vous inviter au cocktail, donc lâchez pas. On parle de reconstruction, on parle d'implants mammaires, on parle, c'est tout est beau, mais derrière ça aussi, il y a eu tout un émoi avec les implants mammaires dans les dernières semaines, derniers mois. Et c'est important de parler rapidement, 5 minutes d'implants mammaires. Par la suite, je laisse la parole à le docteur Louis Gabouri, anatomopathologiste au CHUM, pour parler du traitement des capsules enlevées ici au CHUM. Donc, on sait que, comme Dr. Lunel a mentionné, il y a eu autour de 300 000 augmentations mammaires aux États-Unis l'année passée, en 2018. Il y a eu 29 000 exérèses d'implants. Il y a eu, pour la reconstruction aux États-Unis, les chiffres en 2018, 100 000 reconstructions. Il y a eu 19 000 exérèses d'implants. On sait que depuis 1960, les implants existent sur le marché. En 1990, 1 million de femmes avaient des implants mammaires, surtout en silicone. Il y a eu un moratoire sur les implants en silicone entre 1992 et 2006 à cause de leur lien probable avec les maladies auto-immunes. Il y a eu des études entre-temps et le moratoire a été levé en novembre 2006 pour les implants en silicone et a été remis sur le marché après des études sur leur innocuité et sécurité. Mais il n'y a jamais eu d'études à long terme et approfondies là-dessus. Donc, environ 8 000 à 8 500 femmes reçoivent des implants mammaires au Québec par année. La majorité sont esthétiques, 30 % reconstruction et 10 % à peu près sont des implants texturés qui étaient problématiques. Une estimation approximative, 145 000 femmes porteuses d'implants mammaires au Québec. Donc, on sait que la sécurité des implants mammaires fait de nouveau l'objet de controverses depuis quelques mois. Donc, la plupart des études n'ont pas suivi les patientes porteuses d'implants mammaires suffisamment longtemps pour documenter l'apparition de symptômes ou d'effets secondaires ou de maladies auto-immunes. Donc, les études qui sont en cours n'étaient pas suffisantes. Ça prend des études plus approfondies avec de nombre de patients plus importants et à long terme aussi. Des patientes porteuses d'implants mammaires lisses ou texturées rapportent un ensemble de symptômes non spécifiques tels que la fatigue chronique, la perte de cheveux, la prise de poids, des maux de tête ou des douleurs articulaires diffuses, etc., etc. Bien qu'on n'ait pas la preuve définitive que les prothèses mammaires, que ce soit lisses, salines, texturées, soient la cause de ces symptômes se résolvent parfois avec le retrait de ces implants lisses, salines, avec leurs capsules, et que certains professionnels de la santé appellent cela la maladie des prothèses mammaires. Il y a eu dernièrement un article scientifique fait par Dr. Anna Diva en Australie sur la maladie des implants mammaires. Donc déjà, on parle en littérature scientifique, c'est bien de considérer ce sujet-là. Il a divisé même la maladie en 3 types. Même il a suggéré des prises de sang avant la chirurgie si on suspecte une maladie des implants mammaires. La théorie probable peut être là-dessus, une piste de recherche là-dessus, que ce soit une réaction inflammatoire autour des implants, qui était l'exagération de la réponse immunitaire, qui peut produire les maladies auto-immunes peut-être, les douleurs chroniques peut-être, et le lymphome anaplasique. Les implants mammaires, on doit le dire, ont été et sont toujours les implants les plus étudiés et scrutés par la science. La maladie des implants mammaires, avec tous ces symptômes-là, qu'on n'a pas de diagnostic là-dessus, demeure un défi, une source de frustration, pas juste pour les patientes. On croit aux symptômes des patientes, mais aussi c'est frustrant pour les chirurgiens. Une patiente qui a eu un implant aux salines en chirurgie esthétique qui revient avec des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est frustrant pour les chirurgiens aussi. C'est un diagnostic d'exclusion parce qu'il n'y a pas de test spécifique là-dessus. Et le manque d'évidence épidémiologique scientifique robuste pour supporter cette association entre la maladie des implants mammaires et les implants comme tels, va nous continuer à faire de la recherche scientifique et à faire de la recherche afin d'en trouver peut-être la cause, mais ça existe, c'est là. Mais il ne faut pas oublier aussi que la maladie des implants mammaires, les gens qui ont eu des implants mammaires, qui ont des douleurs, qui ont de la fatigue, qui vont aller consulter sur Internet,
qui vont trouver peut-être une issue que d'enlever les implants, il ne faut pas tomber sur des chirurgiens explanteurs opportunistes. Parce que c'est le docteur Anandiva qui a lui-même mis en place l'article scientifique sur la maladie des implants mammaires le 27 août et avait écrit un article là-dessus en mettant en garde les patientes qui sont peut-être faibles ou anxieuses à propos des implants et d'aller voir un chirurgien qui va charger très cher et d'enlever les implants à la capsule et créer une difformité qu'on n'avait vraiment pas besoin de l'avoir. Il faut croire à votre chirurgien, faire les suivis réguliers là-dessus et faire de la recherche avant d'y procéder. Un petit mot sur les lymphomes associés aux implants texturés qui ont été utilisés dans le passé en reconstruction mammaire et en chirurgie esthétique. C'est un lymphome à grandes cellules associé aux implants mammaires, surtout les implants texturés. Il commence au niveau de la capsule de l'implant. Ce n'est pas un cancer du sein comme tel. Donc, c'est au niveau de la capsule. Et il n'y en a pas eu des cas avec des implants lisses. C'est seulement les implants texturés. On estime que 35 millions de femmes dans le monde portent des implants mammaires. On sait qu'il y a 10 % probablement avec des implants texturés. Jusqu'à présent, le taux de ce lymphome et son occurrence est de entre 3800 à 1 pour... entre 1 sur 3800 à 1 pour 30 000, selon les implants. Il n'est pas associé à un implant lisse. On n'a pas eu de cas avec des implants lisses, surtout les implants texturés. Le CHUM, il était le premier à mettre en place un processus et une équipe afin d'aviser les patientes et de mettre en place une lettre envoyée par la poste aux patientes pour les aviser des risques. Les patientes qui étaient porteuses d'implants, on a dû donner des rendez-vous, on les voit encore dans nos cliniques, afin de les suivre, de les conseiller, de les examiner et de continuer le suivi. Les causes de ce lymphome dû aux implants texturés au niveau de la capsule sont multifactorielles. Les études sont là. C'est de l'inflammation chronique autour des implants qui fait ça, avec une exagération de la réponse immunitaire. Aussi, la théorie de biofilm, qui est la capsule avec de l'infection dans la texture de l'implant dans la capsule, qui fait que l'infection chronique peut entretenir la réaction immunitaire et induire un lymphome dans la capsule. Je répète encore, c'est dans les implants texturés. Les implants texturés ont été bannis du marché dans les dernières semaines, donc ça n'existe plus. À l'échelle mondiale, autour de 600 cas ont été répertoriés de lymphome anaplasique dû aux implants mammaires, 26 cas au Canada, seulement les implants texturés, aucun cas avec les implants lisses. En moyenne, ça survient un an après l'implant texturé jusqu'à à peu près 8 à 10 ans après avoir eu l'implant texturé. Le premier signe, c'est la présence de liquide tardif, donc un sérum tardif, un gonflement du sein. Il faut consulter. Parfois, il se présente avec une masse dans une minorité de cas ou des ganglions ou plus rarement une capsule ou une arache cutanée. Mais c'est le signe le plus direct, c'est un gonflement soudain du sein avec du liquide autour de l'implant. Il faut faire un test diagnostique, que ce soit en radiologie ou en chirurgie, de prélever le liquide et de le tester pour le CD30 immunohistochimie. Et si c'est positif, aller en histologie. Docteur Gabouri va nous parler des capsules et des analyses anatomopathologiques et de regarder les cellules au microscope et parfois confirmer avec une cytométrie de flux avec le clone des cellules T. Donc, il commence au niveau du liquide autour de l'implant. Il peut progresser vers la capsule et aller dans le sein et aller dans les ganglions et faire des métastases. Le traitement, si c'est pris en précocement, donc si une patiente trouve un gonflement soudain de son sein, elle consulte son chirurgien, on met en place un diagnostic pour essayer d'identifier. Et si c'est vraiment le cas, c'est très guérissable, le pronostic est très bon, il faut faire une exérèse en bloc de l'implant et la capsule et le liquide, envoyer analyser ça en pathologie avec tout le Gabouri. Donc, les cas plus avancés, il faut les traiter en chimiothérapie. Mais plus on l'attrape, plus mieux c'est. C'est pour ça qu'on avait dit aux patientes d'assurer un suivi régulier avec nous afin d'en détecter. Donc, des décès ont été détectés, mais le pronostic reste bon. Le retrait préventif de ces implants mammaires n'est pas encore recommandé quand il n'y a pas de signe de gonflement ou de liquide autour de l'implant. Toutes les autorités réglementaires en France, en Australie, au Canada et aux États-Unis ne recommandent pas de retirer ces implants-là s'il n'y a pas eu de changement au niveau de ces implants-là. Juste pour dire qu'une capsulectomie peut être déformante, donc il faut prendre la capsule au complet avec l'implant. Ça peut laisser un déficit au niveau du sein. Donc, il faut faire confiance à votre chirurgien, assurer un suivi, et c'est votre chirurgien qui va vous conseiller s'il doit enlever l'implant ou non, et assurer un suivi régulier. Donc, c'est certain que les implants mammaires demeurent sécuritaires et utiles en reconstruction mammaire, on l'a vu,
S'ils sont correctement utilisés, il faut demeurer vigilant, effectuer des suivis réguliers avec votre chirurgien afin d'en prendre en charge rapidement tout changement au niveau du sein. Un gonflement soudain ou une douleur, il faut en prendre en sérieux. J'invite Dr Gabouri, anatomopathologiste, pour nous parler, pour vous donner confiance, comment est-ce qu'on analyse les capsules ici au CHUM. Dr Gabouri. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi pour les témoignages. Je vais tâcher d'être bref. Je sais que les pathologistes ont toujours le mot de la fin, alors. Alors, les prothèses mammaires, évidemment, comme Dr Boumery le disait, doivent parfois être enlevées pour, lors de certaines circonstances cliniques. Donc, lorsqu'on les enlève, elles n'ont plus tout à fait le même aspect. Nous, du côté de la pathologie, on veut s'assurer de porter les meilleurs diagnostics. Donc, ça implique quelques étapes. Donc, prendre connaissance des renseignements cliniques, décrire les caractéristiques d'échantillons qu'on reçoit au laboratoire, vérifier la présence ou non d'un sérum, c'est-à-dire d'une collection liquidienne autour de la prothèse. On veut aussi confirmer le type d'implant, c'est-à-dire il s'agit d'un implant est-ce qu'il est texturé, lisse, est-ce qu'il est intact, est-ce qu'il est rompu. On veut également observer attentivement la capsule, particulièrement le versant interne de la capsule, pour rechercher d'éventuelles anomalies ou des masses. On veut aussi prélever un nombre suffisant d'échantillons secondaires pour s'assurer qu'on puisse effectuer un examen microscopique approprié. Donc, dans le cas où il y a un sérum, on peut aspirer le liquide et ce liquide peut être adressé aux cytologistes qui vont observer les cellules pour détecter des anomalies éventuelles des noyaux et éventuellement faire des tests plus poussés. Voici un peu l'aspect d'une capsule mammaire. Vous voyez ici le spécimen tel qu'on les reçoit à la salle d'opération. Une fois qu'on incise ici la capsule, bien, vous voyez que l'implant est attaché assez solidement à la capsule et on peut par la suite identifier les différents éléments du versant interne et du versant externe de la capsule. Donc, c'est tiré d'un article récent dans la littérature. Vous voyez, c'est l'aspect habituel, usuel d'une capsule mammaire qui n'a somme toute aucune lésion. Quand on les regarde au microscope, on voit qu'il s'agit en général d'un tissu qui est fibreux avec quelques caractéristiques que je vais décrire dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le plus souvent, ce qu'on voit, c'est de la fibrose, donc un tissu fibreux. On voit également des calcifications. Je vais vous donner un exemple ici de calcifications qu'on peut observer. On observe également ce que l'on appelle des granulomes de type corps étranger, donc, ou encore, entre guillemets, des siliconomes. Assez fréquemment, on observe des petites collections de silicone qui sont entourées par des cellules géantes qui veulent, si vous voulez, un peu isoler ces corps étrangers. On observe aussi parfois de l'inflammation autour des vaisseaux et ce qu'on appelle également la métaplasie pseudo-synoviale. Bon, on observe également, et ça c'est, on essaie de trouver des causes aux symptômes que peuvent éprouver les patients. Dans certains cas, récemment, j'ai observé qu'il y avait une hyperplasie des filets nerveux autour des capsules. Donc, dans la profondeur de la capsule, je sais que vous ne pouvez pas voir ici les filets nerveux, mais il y a parfois des situations où on voit une hyperplasie de ces filets nerveux. On voit aussi parfois des dégénérescences du collagène, ce qu'on appelle une dégénérescence élastique, qu'on peut mettre en évidence avec des colorations spéciales. Enfin, il existe, comme Dr Boumery le signalait il y a quelques instants, des lésions qui sont rares, mais qui sont importantes. Bien sûr, comme les cancers du sein sont des maladies malheureusement trop fréquentes, il est possible de retrouver parfois dans le tissu mammaire qui entoure la capsule un carcinome, soit in situ ou infiltrant, mais il s'agit là de situations extrêmement rares, moins de 0,15%. Et ce dont on a fait allusion il y a quelques minutes, les lymphomes anaplasiques à grande cellule, là encore, c'est très rare. Et je dois vous dire, très honnêtement, je n'en ai pas vu un cas. Je sais que des collègues au Canada en ont vu un cas. C'est presque anecdotique. Mais on est absolument à l'affût de ces lésions-là et on met en place tous les moyens nécessaires pour pouvoir les détecter précocement et utiliser au besoin des marqueurs comme le CD30, qui est un marqueur qui est réputé assez spécifique de cette lésion-là.
Donc, en conclusion, c'est très important pour nous de travailler en interdisciplinarité, de regarder mieux les prothèses mammaires pour mieux comprendre ce qui se passe et, évidemment, poursuivre la recherche. Merci beaucoup de votre attention. Juste pour mentionner, avec Dr. Danino, le chef de service, on fait un projet de recherche avec Dr. Gabori. On examine toutes les capsules des implants retirés au CHUM. Donc, la recherche doit continuer là-dessus. The last but not the least, on a un témoignage d'un homme aujourd'hui, John, qui est un conjoint de Guylaine, notre ex-patiente. Donc, elle va très bien. Merci, John. Bonsoir à tous. Je m'appelle John, je suis le mari de Guylaine. C'est un peu drôle de voir un témoignage d'un homme, mais on ne passe pas à travers le cancer tout seul. Donc, souvent, pour les hommes, on est supposé être le gars qui est fort, puis qui règle tous les problèmes, qui c'est les épaules grands pour supporter ou appuyer votre femme, mais c'est pas toujours facile. Donc, il y a à peu près 6 ans, le 11 septembre 2013, c'était un semaine d'enfer. Dans la même semaine, mon père avait été diagnostiqué le cancer le mardi, puis Guylaine le jeudi. Donc, tu sais, comme homme, c'est comme, OK, qu'est-ce que je fais? C'est comme un bombe nucléaire a éclaté. Puis je me souviens, quand on était dans le bureau du docteur, quand ils ont dit, vous avez le cancer, ma femme pleure tout de suite. Puis moi, j'étais comme engourdi, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas une résolution, une solution, parce que normalement, je suis le gars. Tu sais, I could fix it, tu sais. Mais ce n'était pas le cas du tout. Donc, on ne savait pas quoi faire. Et on avait des options et ils ont dit, OK, ça va être une ablation totale. That's it. Ils ont dit, that's it? Oui, that's it. Puis on a eu la présence, tu sais, on a pensé, il faut avoir une deuxième opinion. Puis on est venu voir Erika et Dr. Beaumery et c'était comme un rayon de soleil, vraiment une autre option, parce que je ne veux pas dénigrer l'autre hôpital, mais il n'offrait pas ses services. Donc, c'était comme, on avait 7 services ici, mais ici, c'était « tout est possible ». Mais ça nous a donné beaucoup d'espoir. Ça ne dit pas qu'il n'y avait pas de soirée qu'on pleurait ensemble, comme je pleure tout le temps. Mais c'était vraiment une question de tu sais, parce que le cancer, c'est pas votre vie. C'est juste un moment dans votre vie, OK? Vous êtes un couple, vous êtes des amis, whatever. On va passer à travers ça. Mais pour les gars, c'est difficile parce qu'on est supposé d'être fort. Et des fois, tu sais, quand tu n'as rien d'autre, la seule chose que tu peux être, c'est fort. Donc, tu sais... Mais il faut trouver quelqu'un à parler. Moi, je parlais avec ma famille, avec un ami. Il faut toujours pas regarder l'Internet. Mais en fait, comme gars, première fois, j'ai regardé l'Internet. Oh! Oh! Horrible! Mais à un moment donné, je dis, mais coudonc, je peux faire un meilleur job que ça. Donc, c'est toujours bon de rire aussi parce que il y a des moments, splendides dans tout ça. On riait quand elle a perdu ses cheveux. C'était un party à la maison, hein, tout rasé, Guylaine, puis c'était fun. Il faut toujours trouver des choses qui sont fun, parce qu'il y en a beaucoup. Parce que là, ça fait 6 ans, puis dans les 6 ans, on avait des beaux moments. On fait la danse sociale. Tu sais, le cancer, c'est pas votre vie. Tu sais, vous avez une vie. Ça, c'est juste un petit « oups ». Dans le temps. Puis si ça revient, c'est un deuxième « oups », mais ce n'est pas votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire pour vous donner du confort, parce que chaque histoire est différente. Mais je sais qu'on a un salon de conjoints. Peut-être qu'il y a du scotch, je ne sais pas. Oui, je sais, c'est là que je l'ai vu. Mais c'est pas ça le but en partant. Parce que si vous travaillez ensemble, si vous passez à travers, oui, on avait des soirées qu'on pleurait ensemble. Oui, on avait des soirées. Tu sais, quand elle a sorti, elle avait le diable, puis elle a sorti avec les petites grenades, puis c'était. T'sais. On peut pas juste. Il faut rire, c'est drôle. T'sais. Quand tu spins, c'est sexy, mais en tout cas. Mais honnêtement, la seule chose que je peux vous dire vraiment, c'est
on ne sait jamais à quel point on est fort. Tu sais, on peut pleurer, mais demain va venir. Va arriver. So, have fun. En tout cas, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Fait que, il faut continuer. J'aimerais inviter la chef organisatrice de cet événement, Dr. Carmel Lampron. Trois minutes. Vous pouvez me timer trois minutes. Je veux dire un gros merci à tous les présentateurs. Moi, je m'approche, Joseph. Au témoignage, vous prenez du temps pour venir partager vos histoires. C'est à chaque fois, je viens le trémolo quand je vous écoute. Merci à prendre le temps, toutes vous, mes collègues, parce que vous êtes ultra occupés, puis la soirée, vous venez la dédier à nous. Alors, un gros merci. La soirée s'organise pas toute seule, et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il y a toute l'équipe Bravoure du CHUM. Depuis 6 ans, j'ai certaines personnes qui me suivent tout le temps avec ça, mes amis Lucie Piché, Lise Piché, Guylaine Drapeau, la conjointe de John, et Véronique Morin. J'ai en plus le service des communications. De plus en plus, c'est rendu élaboré avec José Laflamme et toute son équipe, avec les médias sociaux, le service technique. Merci infiniment. Madame Petitgroux, avec toute son équipe de bénévoles du CHUM, à chaque fois, ça demande plusieurs jours de préparation avec eux. J'y sollicite tout le temps un immense merci. Madame Mort avec le traiteur. En passant, après, on a les bouchées, on a le vin. Continuez. Puis vous avez toute une petite boîte à lunch, OK? Je vous nourris personnellement. Puis finalement, depuis toutes ces années-là, ça n'aurait pas été possible pour la Fondation du CHUM, qui a toujours été un peu dans l'ombre, mais nous supportait constamment. Et cette année, on a décidé de les mettre à part entière avec nous dans l'équipe. Je vous remercie énormément, toute la Fondation du CHUM. J'aimerais aussi vous rappeler que... Ah, OK, c'est beau. J'aimerais aussi vous rappeler qu'en sortant, il y a un salon en toute intimité. Et il y a les femmes qui sont là, ils se sont déplacées pour venir montrer toutes les différentes chirurgies. Utilisez-les. Il y a une dame qui est là avec une mastectomie flat. Et on les a toutes. Il y a Karen qui est là aussi pour voir les tatouages, vous donner de l'information. Une nouvelle cette année, on fait le salon des conjoints. On sait que vous êtes d'un monde de femmes, puis nous, les femmes, on se fait du souci pour vous aussi, même si on passe à travers. Alors, vous pouvez aller retrouver John. Et oui, il y a du scotch. J'ai vidé mon bar pour mettre du scotch là avec de la bière. Fait qu'allez jaser entre les gars, s'il vous plaît. Les femmes sont les bienvenues. On n'est pas dans une taverne quand même. Et aussi, il reste quand même, il y a des kiosques qui sont déplacés. Il y a de l'information partout, tous les kiosques. Faut faire le tour pour aller voir. Il y a un service complémentaire qu'on a ajouté en plus, OK, avec l'acupuncture, avec l'endermologie, tatouage. Allez, s'il vous plaît, voir tout ce beau monde-là. Et je termine en disant merci à vous tous, vraiment, et on se retrouve tantôt, c'est les 20 et vers 9h, 9h15, on fait un tirage parce qu'on a envie de continuer à vous gâter. On sait comment c'est difficile, puis qu'on fait des méchantes surprises quand on a le cancer. Je l'ai eu personnellement, mais on veut vraiment que vous continuiez à profiter de la soirée. Et à la prochaine, l'année prochaine. Merci.